peur, c'est que je crève pas de froid. J'ai la chance d'avoir un bon chauffage, mais c'est pour la tenue symbolique. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, ça joue à la manette, merde. Si je la prends pas, ça va pas m'aider. Voilà, Stardew Valley avec le Pépère de Noël. C'est moi qui suis Pépère. Je confirme. C'est beau. En tout cas, joyeux Noël à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. Ah là là, ouais, allez, un petit direct du matin, parce que je serai plus là l'après-midi. Je ferai mon Noël l'après-midi, moi. Ah là 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 là. Ah. Hop, attends, je remets les données dans le chat, histoire que ça comble un vide, surtout. Ibi. Bonjour Torota, bon, ça va bien, merci, je me sens bien, c'est cool. J'espère que toi aussi ça va bien. Là j'ai bien dormi cette nuit, donc ça fait un bien fou. Ouais, ça va bien, c'est cool. Waouh, le chargement il met 3 ans. Que signifie? J'espère que j'ai pas des données de sauvegarde corrompues. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Non, ne me dis pas que je démarre sur un bug de Stardew Valley en direct. C'est pas comme si j'avais joué pas plus tard qu'hier et que ça s'était très bien passé. Bah. C'est fou ça. Oh la vache. Ah oui, il aura fallu du temps. Bon, ça me rassure. J'aurais été tristouné d'un bug. Le jour de Noël, ça aurait été moche. Ça aurait été muche. Oula, 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 il y a trop de trucs. Hein. Ouais, puis j'ai des arbres à planter là. J'ai des graines de... Oh, qu'est-ce que ça fait là ça? Grenade, je peux ranger. Oui, ça peut être pratique ça. Moi j'ai des graines. Oh mon dieu! Il y a trop de choses. Ça commence. Oh là là, il faut que je trie vraiment proprement mes. Il faut que je trie proprement mes affaires là, ça va pas. J'ai un boxon dans le jeu. Aïe 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 aïe. T'as des géodes, je les mettais ailleurs les géodes. Rien que sur cet exemple là. Attends, là j'ai des cailloux en plus. Et oh là là. Là j'ai. Merde, non, j'ai du charbon. Merde, j'ai pris un truc que je voulais pas. Je sais même plus ce que c'est. Ah, ah oui, le minerai de fer. Bah non, faut le faire fondre. Non, j'ai bien fait de le prendre. Oh là là. Ah, j'ai des citrouilles, j'ai plein de trucs. Robin est en train de faire ma cuisine, c'est vrai. Oh là là, il y a trop de choses. Attendez, là, vous êtes fous les gens. Bonjour Samantha. Je tiens simplement à vous rappeler que la fête de Stardew Valley aura lieu demain. Il y a 9 objets, blablabla. N'oubliez pas que la fête commence à 9h, ça passe du village. À bientôt le merle. Wesh. Même elle, elle sera pas prête, Robin. Parce que je la commande pour ma cuisine, pas de bol. J'ai pas de bol. Alors attends, arrosoir, arrosoir, arrosoir. Il est là. Arrosoir magique. Oh, les citrouilles, elles sont magnifiques. Ciao. Oui, c'est ça. Ouais, tu supposes bien, parce que je fête Noël cet après-midi avec la famille.
Et je reviendrai que le mercredi. Je vais prendre mon mardi complet de... pour décuver déjà. Mais ouais, c'est bien ça. Attends, les graines, il faut... Ah, attends, je peux en faire des caisses coûte les graines, je crois, non? Attends, je pensais replanter bêtement, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il n'y a pas la fusion de toutes les graines, ça fait un casse-croûte? Si, c'est ça. M'en suis souvenu subitement. Ah, ça, c'est cool. Et les arbres, je peux honteusement les planter hors de mon terrain. Ce qui, stratégiquement, peut être intéressant, vraiment. Après, c'est quoi? Oula, j'en ai 14. Ah non, je vais les ranger, il y en a trop. Je vais pas passer mon temps à planter 14 chênes. Faut arrêter la déconnade. Tiens, lui, tant que j'y pense, il aura son waf. Son waf. Son eau. N'importe quoi. Ah! Bah, il y a un seigneur que j'utilise pas sur. C'est con? Ah, que je le grave sur un arbre, moi. Oh là là, mais je joue terriblement mal, là, ça va pas. Oui, ouais, je peux ranger les lingots, je peux ranger des pierres. Donc je garde le casse-croûte sur moi. Ouais, il y a encore des fleurs de qualité, le reste je vais le vendre. Ah, j'ai plus de place pour les citrouilles. Ah, j'ai plus de place pour grand chose, sauf si je range. Ah ouais, non, j'ai encore plein de... Oh là là! Si, je pourrais me faire plein de casse-croûte, en fait, dans le jeu. Attends, elles sont où les graines de... J'arrive plus à les reconnaître. Graines d'érable... Merde, le troisième type de graines, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Artisanat, c'est. Ah oui, les glands que j'ai pas pris. Les glands. Oui, mais ça, c'est une noisette, c'est pas pareil. C'est ça qui m'a induit en erreur. Essayons, j'ai bien, essayons de regrouper les choses. Enfin, là, au niveau des graines, déjà. Ah bah mais alors, voilà, j'ai des tournesols de luxe. J'ai pas d'autres. D'accord. Ah lui il a fini. Attends, et à l'intérieur j'en ai d'autres. Ouais, je pourrais peut-être garder des belles citrouilles. Oui, non, il y a des trucs, faut que je m'en débarrasse. Enfin, que je m'en débarrasse, que je les range ailleurs. Ah bah merde, là j'ai plus la place. On verra plus tard pour les... Ouais, bah tant pis pour le caillou. Ah, attends, il y a le coup de... Bah lui, je peux le mettre en... Voilà, en récolte. Alors, attends. Voilà, j'ai fait de la citrouille de qualité, moi, monsieur.
J'en ai deux avec étoile or. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Les autres classiques, je vais les vendre directement. Hop. Allez, ça part à l'export. Oula. Attends, oulala. Merde, inventaire plein déjà. Oh la vache. Oh, quel coffre pourrait... Là déjà, je peux ranger ça là. Faut que je désigne un coffre rien que pour les graines d'arbres, par exemple. Ah, mais j'ai plus la place nulle part, en fait. C'est ça qui est fou. Ou alors, je refais un coffre, encore un. C'est la folie, mais il faut que je refasse un... Ouais, je pourrais en faire des tonnes, visiblement. Toujours la même question, où est-ce que je le mets? J'ai pas le droit de me mettre là. Je peux me mettre là-bas. Oh, comment je fais? Je dis que c'est... Ouais, mais rouge, ouais, c'est presque couleur... Ouais, pour dire que c'est des trucs de verdure. J'essaie de faire quelque chose de cohérent, je dis bien essayer. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Putain, j'ai tellement de bois que je peux en faire du charbon. Je peux y aller les yeux fermés. En même temps, j'ai deux armes sur moi. Je ferais peut-être bien de garder que le gourdin. Je sais pas pourquoi je garde l'épée. Le gourdin est plus efficace, je crois savoir. Merde. Ah, ma manette est traîtresse. Ouais, les autres... Ça, je vends... Et... Non, pas le charbon, putain. J'ai mal cliqué. Pardon, je deviens vulgaire, mais... Oh non! Oh, j'ai mal cliqué, j'ai balancé tout mon charbon. Oh le con! Ah! C'est une ressource précieuse! Et là, pourquoi il veut plus? Oh mon dieu! Oh, mais qui est con! Faut que j'y aille plus doucement quand je fais des manips.
Sirop d'érable récupéré. Bon, c'est bien. Super. Ouais, je vais garder les grappes les plus nobles. Attends, quel endroit j'ai là? Voilà. Ah non, non. Ah oui, si. Si, si. Bah, la grappe là, par exemple, je vais... Ah oui, c'est vrai que c'est du raisin, je pourrais bien en faire du vin. Mais ouais, ça sera pour ultérieurement. De toute façon, je vais peut-être augmenter mon nombre de vignes. On verra. C'est bizarre, ça. Ah, c'est parce que je l'ai pas sélectionné en main, d'accord. C'est une subtilité de gameplay que je maîtrise pas. Voilà. Alors, je suis plus sûr du tout. Non, j'ai arrosé là, non, on voit que c'est humide. Ah bah, je vais pouvoir entretenir un peu mon terrain. Une bonne nouvelle. Ah, il faut que je fasse des champignons dans la grotte. Faut pas que j'oublie. Ah oui, puis ma pioche elle est prête. Ah oui, mais elle est déjà fermée, c'est vrai, il est 16h. Oh, j'aurais dû démarrer avec presque le matin. Enfin, c'est trop tôt. 6h du mat, il ouvre pas, mais du coup, je me suis privé de pioche encore. Faut absolument que je la récupère. Bah non, je peux pas la récupérer demain, moi, c'est la fête du bordel là, du village. Oh. Oh là 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 là, ce jeu. Ah, j'ai le grenadier aussi. Oh, génial! Le champignon commun, celui auquel je carbure pour être plein d'énergie d'ailleurs. Mince. Ouais. Deux pages de champignons, exactement. Ah bah là j'en ai qu'un. Enfin. Oh ouais non mais là il y a plein d'arbres à couper là. C'était quoi la quête qui clignote? Ah oui les quatre berges ouais. Ouais, je vais passer à la foule de boxon ici. Voilà. Eh bah ça va le coup de déveiller. Hop là. Oh là là. Oh, j'ai même des champignons géants. Ah merde, il y a une vilaine qui arrive. En garde la vilaine. Je sais que tu es là, la vilaine. Oh. On se bat comme si on était dans la mine. Oh merde. Oh bah j'ai déblayé en même temps le... La zone, un coup de gourdin. Y'a oui. Bah alors Robin, tu... Oh. Ça va, il n'en a pas contre toi.
Oui, j'allais dire, j'ai encore du minerai à faire fondre moi. Et là, on va se rendre compte que le charbon va me rendre riche. Dans les comptes du jour. Alors attends, mon coffre en verre au fond, voilà. Tac, 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 et tac. Au moins, c'est tout bête, mais je saurais... voilà. Quand je peux me faire un miam de... Voilà, de casse-croûte. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on gère bien l'équilibre des arbres et des récoltes, franchement, il y a moyen d'avoir un bon rendement de casse-croûte. Ça et les champignons, il n'y a rien à redire. L'équilibre, il est parfait. Non, visiblement, je range pas, mais... Ah, j'ai trop de trucs, c'est la richesse, c'est beau. Ah oui, tiens, là, j'ai du minerai que j'aurais dû prendre avec moi. Ah, j'ai un champignon qui se distingue de qualité. Wouah, il y a trop de trucs, je deviens fou. Bon bah dodo. Bon oui, je vais pas regarder la météo puisque je sais que c'est scripté. Demain c'est le truc des fleurs. Quoi? Moving up. Ah, upgrade your house. Ouais, optimisez votre maison. Ouais, c'est parce que j'ai la cuisine. Wow, niveau 9 d'agriculture. Plus 1 compétence d'arrosage, plus 1 compétence de ouf. Alors je peux fabriquer la machine à graines. Ah. Alors là je demande à voir. Oui, je demande à voir ce que ça... Ah, à partir du fruit ou du légume, on a la graine d'origine. Wow, un arroseur en iridium. Ouais, bien sûr. Tout le monde sait que je fais à tour de main des lingots d'iridium. Vous pouvez être sûr qu'il va demander du lingot d'iridium, le machin. Engrais de qualité. Ah, c'est bon, ça. Wow, cueillette. Compétence de H plus 1. Nouvelle recette de fabrication, le paratonnerre. Ouais, ce serait cool que la foudre tombe sur le paratonnerre et pas sur mes chemins en pierre. Graines sauvages d'automne, c'est une recette de fabrication à prise et un totem de téléportation en mer. Ok, la totale. Une invitation à la pêche, je présume. Aou! Attendez. Voyez comment je mets du poids à mon câble audio. Je mets une pince à linge, en plus je le bloque dans le meuble à tiroir et à côté de moi. Système débrouille. Et ça me va très bien. Ouais, 285 pour beaucoup de charbon, non, c'est pas la fortune. Ah, je m'en veux d'avoir vendu mon charbon. Wow! Oh la vache! Ah ouais! En large, your bed. Oh ma zette, il faudra que je réaménage un jour ma baraque. Oh la vache! Mais elle a pas fait que la cuisine, j'ai gagné une chambre à coucher là. C'est énorme, je pourrais en mettre des coffres en intérieur. Ah bah ça valait le coup au niveau du prix. J'ai le stockage du frigo. Ouah, je peux faire tous les plats du monde. C'est beau. Bonjour Popon. Merci. Joyeux Noël à un monsieur grand par le talent et le cœur, mais pas par la taille. Zoubi. Zoubi, merci Popon. Waouh, c'est fou, j'ai accès aux recettes. Non, je rêve, j'ai vu un hamburger. Wow. Hamburger de survie. C'est quoi ce truc? Wouh. Avec carotte de caverne et de l'aubergine. Eh ben, dis donc. Wow, déjeuner fermier, omelette et panais. Ouais, mais omelette, faut avoir des œufs. Les œufs, j'ai pas encore. Ah oui, c'est vrai, faudrait que je m'intéresse aussi à la. Faudrait que je vois ça en hiver. Là, comment ça s'appelle, l'élevage. C'est vrai que je fais que stricto sensu que de l'agriculture, là. Carottes de caverne, racines d'hiver. Pancake.
Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Alors, oui, encore merci pour vous, merci tout plein. Mais oui, joyeux Noël, hein. Joyeux Noël à tout le monde, profitez. Non, j'étais en train de lire stratégiquement le champignon frit et la recette la plus accessible pour moi. Parce que je vais regrouper les quelques moris que j'ai et l'huile s'achète chez Pierre. Donc, c'est intéressant. Attendez, je vais me faire des coffres, moi. Je vais me faire des coffres chez moi, là. Ah ouais, c'est obligé. Allez, je suis fou, je m'en fais 6 des coffres. Attends, déjà, je vais peut-être décaler mon lit. Non, je veux pas dormir, je veux décaler mon lit. Comment je fais? Mais non, j'ai arrosé le lit. Mais elle est folle, elle a arrosé les draps. Mais arrête. Comment je fais pour dire que je veux décaler mon lit? Ah, comme ça. Ouais, je vais le mettre près du... Alors, ça peut pas être bizarre d'avoir une entrée sur le plumard. Mais c'est pour moi que je puisse me précipiter dans le plumard quand je rentre. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le délocaliser là. Bon, comme c'est un jour... Ah oui, merde, mais faut arroser les cultures aussi. Ah merde, j'ai pas le temps de faire ça. Faut que j'arrose les cultures aussi, moi. Comme c'est un jour de non-pluie, mais mes trucs vont sécher. Ah! Attends, je vais mettre les coffres peut-être au milieu. Ouais, peut-être là. Merde, j'ai peut-être commis une erreur stratégique là. J'aurais peut-être pas dû démarrer là-dedans. Vite, faut que j'arrose mes plantes avant d'aller à la fête de Prout-Prout. Eh bah oui, rien n'est arrosé. Ça démarre à 9h. Ah! J'arrose d'abord, j'y vais ensuite. Hein. Et je sais plus évidemment dans quel coffre j'ai mis les trucs de qualité or. Oh le bordel. Bonjour les petits. Joyeux Noël. Ah! Le festival a commencé, j'ai pas arrosé mes plantes, attendez. Panique on board. Panique à la ferme. Nouvel épisode. Oh mon dieu. Waouh. C'est quoi ça? C'est du maïs. Ça, ça pousse en toute saison ce truc. Oui, couchez le chien. Ouais, d'ailleurs, il a intérêt à faire son gardien, le chien, en mon absence. Il faudra qu'il garde la ferme quand ce sera la fête au village. C'est la fête au village. Ouch. Mais, ah oui, attends, c'est la parcelle où j'ai pas mis du sol de rétention, là. Ah, c'est vogue la galère, là, faut que j'arrose tout. Attends, je suis dans la bonne ligne. Attends, la manette, c'est sport. On me demande si certains y jouent au clavier souris. Je sais pas si c'est mieux. Par réflexe, j'ai pris l'habitude d'y jouer à la manette. Hashtag Valley. Non, le raisin, il faudra que je le garde pour faire du vin. Mais j'ai pas encore la machine à... Oui. Oh là là, mais il est en forme aujourd'hui, Zeus. Arrête de courir partout. Toi aussi, t'as la fête. Tu sais qu'il se passe un truc. Je me lasse pas de l'entendre taper de la queue au sol, le tap 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 me fait délirer. C'est le détail qui donne un réalisme fou au jeu, je trouve ça génial. Ah là 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 là. Aussi, il faudra peut-être que je vois dans cette semaine, pas l'optimisation que de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Sous-entendu les arroseurs automatiques. Parce que là, comme je fais la fonderie, je commence à faire des lingots. J'ai peut-être droit à l'arroseur de base, là.
qui me plaît bien pour faire en haut les trucs de vigne. En automatique, comme ça, ça me plaît bien. C'est vrai que j'aménage ça comme il faut. Mais bon, l'hiver va arriver, là, comme c'est l'automne. Attendez, je range ça où, moi? Ah oui, j'ai du... Ah, pas mal. J'avais rangé mon raisin ici, pas con. Pas con, pas con. Là, ouais, j'ai grenade. Ah, j'ai 7 morilles. Faut que j'achète de l'huile à pierre prochainement. Je vais pouvoir me faire le plat. Stratégiquement, c'est intéressant. Je peux pas tout prendre avec moi là, ça va pas. Faut que je dépose mes lingots. Oui. Ah oui, attends, il y a ça aussi que j'ai pas déposé. Oh le bordel! Non, c'est pas trié, c'est pas bien. Il va falloir vraiment que je joue avec les couleurs des coffres. Que je fasse presque un coffre à vin et à raisin en mauve. Il va falloir que je réfléchisse à un truc sensé parce que plus mon activité agricole va se développer, plus je vais être largué. Bon, le maïs, je le vends voilà, symboliquement. Oh là 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 là, attends, j'ai des récoltes à faire. Vite, faut que j'aille au festival avant la fin de la journée, moi, je vais me faire engueuler par le maire. Je vais me faire mal voir de tout le village aussi. Merde, j'ai pas un truc or que je peux... Voilà un épi de maïs or, allez hop. Tiens, j'ai même un radis or. C'est beau. Le radis or. Voilà, là j'ai plein de trucs en or. Il y a un champignon que... Oh, comment, ouais, beauf. Un poids de senteur en or, ça peut être pas mal. Ah, tournesol en or, j'en suis très fier. Les aubergines aussi, le raisin en or. Ah, il faut que je mette les plus beaux spécimens. Ah, du houblon en or. Énorme. Une palourde, un poisson lune en or. Waouh. Une tomate en or, un piment fort en or. Du blé en or. Tout en or, tout. La palourde, ouais. J'ai quoi d'autre? J'ai fait... Ah, j'ai pas... Ouais, il y a la mûre et le raisin, c'est pas pareil. Je sais pas si je mets le corail. Ah, la canneberge en or. Attends, il y en faut 9, là, j'en ai trop. Ah bah c'est bien, c'est la richesse. Eh ben, je ferai mon choix dans le schmilblick. Merde, il y a 3 verres qui se battent en duel. Je peux pas les prendre. C'est la fête au village. Ah oui, on va pouvoir dépenser son fric aussi. C'est quoi l'étoile? Oh là, il y a une histoire de score. Faut m'expliquer, monsieur le maire. Eh bien, Samantha, c'est le grand jour, notre festival le plus important de l'année, le grand festival de Stardew Valley. Si vous souhaitez participer à un installant, un présentoir de fermier, j'ai laissé un stand vide pour vous. Faites-le moi savoir une fois que vous aurez mis en place, afin que nous puissions le voir et voter. Bonjour tout le monde. Attendez, je suis vilain, je dirai bonjour après. Alors, attendez, tomate... la canneberge, magnifique la canneberge. Attends, je vais mettre les petits fruits devant, je sais pas s'il y a une importance. Moi, le raisin, on verra. Le houblon, c'est assez particulier. Je vais mettre le poisson au fond. Oh la vache, on les voit. Oh là là, c'est bien programmé ça. Le houblon, je le mets à côté. Le tournesol, hop. Oh là là, attention, le score va être haut, je vous le dis, moi. Le radis va être devant. Putain, en vrai, j'adorerais... Hey, c'est fou, hein. Ouais, noyeux Joël, comme on dit. C'est fou. Je m'écouterais là des radis, j'en mangerais. Mais en vrai, j'adorerais. Un petit déj, une assiette de radis. Mon Dieu, bref, passons. Qu'est-ce que je fais? Ah, oh, je mets le beau raisin au centre. Oh, le blé est pas mal non plus, mais... Eh oh, elle est bien ma compo là. Ah. Ah, le maïs, j'hésite. J'hésite à échanger
Le maïs contre les radis. Je sais pas, je vais essayer ça. Je pourrais même mettre le piment, mais... Bon, attendez, j'alterne la tomate et la mûre. Il est pas stylé, mon présentoir. Produit du terroir, s'il vous plaît. Salut, Marnie. Oh, elle fait la gueule. Je fais de mon mieux, mais mon présentoir est plutôt nul comparé à celui de Pierre. Non, la vache, la meule, elle est énorme. Attends, mais depuis quand tu fais des fromages comme ça, toi? Oula, faut que je te visite plus souvent. Voilà le fromage qu'elle présente. C'est qui, elle? Touriste. Waouh, c'est la plus grande meule que j'ai jamais vue. Très impressionnant. Oui, voilà, elle pense comme moi. Ah, monsieur le pêcheur, Willy, je le vois jamais, le pauvre. Alors, est-ce que tu as un présentoir, Samantha? C'est l'opportunité de montrer tous les bons produits de paradis. Oui, la ferme paradis, oui, c'est ma ferme. Je sais. Chez Pierre. Oh, l'autre, comment il se la pète? Mon magasin propose les meilleurs produits de toute la vallée. Jette un oeil à mon présentoir, juge pas toi-même. Ah ouais, non, mais là... Ouais, Pierre, il met la barre haute. Eh oh, l'année prochaine, je reviens avec un écriteau au ferme paradis. Salut, toi. Alors, Caroline dit, Pierre est très sérieux au sujet de son présentoir. Il met de côté ses meilleurs produits depuis des semaines. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Alors, monsieur Force, est-ce que tu as tant de force que moi? Casse la pierre. Comment? Oh merde! Niveau de force, les crémés. Oh non! L'autre, il m'insulte. Ah oui, d'accord. Ah, bœuf, je préfère. Même si j'ai pas les testiboules, j'ai quand même la carrure. Oh, c'est Mimi. Rien que pour l'événement là, je pense qu'ils ont recyclé pour d'autres événements, mais ils ont fait plein de persos qui sont pas du village. T'es trop mignon là, la dame avec le gamin. Alors la touriste dit, le trajet en bus jusqu'ici était long, mais ça valait vraiment le coup. Cette vallée est tellement belle. Sinon, Simon, ah oui, le gamin aime bien, n'est-ce pas Simon? Non, le gamin il dit rien. Abigail, voilà, elle est assez spéciale, Abigail. J'ai déjà gagné à tous ces jeux, je sais pas quoi faire maintenant. Mais c'est une grande enfant, j'ai l'impression, Abigail. Une bonne vivante, c'est bien. T'es qui, toi? Joue au jeu de lance-pierre et gagner des jetons étoiles. Ah merde, j'avais un lance-pierre, je crois. Attends. Je peux miser 50 pièces d'or? Ok. Comment ça marche? Comment ça marche? Ah merde! Oh la vache! D'accord. Au bonne mère. Oh là! Oh puis attends, il y a des trucs qui sont... Merde, trop tard. La vache. Eh, c'est pas con. C'est bien les mini-jeux, là. J'arrive pas à en avoir deux en même temps. Wow, faut faire des tirs latéraux. Non mais arrêtez. Là, il y a de la casse dans la vaisselle, hein, je préviens. Comment veux-tu avoir les latéraux, franchement? Ah! Mais c'est pas facile! Wow! 48. C'était quoi? J'ai des stats corrects! Ah! Oh, j'ai gagné 80 jetons étoiles! Trop bien. Ah, c'était sympa. La vache. Mais il y a combien de jeux? Tiens, il y a lui. Approchez, choisis une couleur et mise... Allez, on va miser orange. J'en mise 10. Allez, je suis fou. C'est pour le principe. Allez, j'ai misé orange-citrouille. Oh merde. C'était à craindre. J'ai gagné à la roue de la chance 10 fois de suite et maintenant il veut plus que je joue. Ah la pauvre Penny. C'est qui? Oh là là, les loustiques. Touristes, c'est un beau village, vous avez ici, très plaisant avec un vrai sens de communauté. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais avec la chemise, on pourrait presque... Je sais pas. J'ai une pensée pour joueur du grenier, là, Fred. Mais avec des lunettes. Vends des jetons étoilés pour 150 pièces d'or. Oui, bah ok.
non, oh la vache, les escroqueries, arrête. Oh la vache, 50... Ah bah dis donc, j'ai gagné beaucoup en... Si ça peut se reconvertir avec la même valeur dans l'autre sens, dis donc, je suis riche. C'est... Oh là là. Dépêche-toi, dit Pam, avant que la vieille Pam n'attrape tous les poissons. Alors, venez tenter votre chance à la pêche pour gagner gros. Non mais c'est génial tous les petits jeux. Comment ça marche? On fait comment? Ah d'accord. Oh merde. D'accord. Yeah, trop bien. C'est vraiment rigolo. Et j'aime bien, ça tombe bien pour Noël, coup de bol, hein. À mon avis, dans mon épisode, il va faire 3 heures, parce que... Comme le truc est intemporel... Merde, j'ai merdé. Et que j'ai mes journées de ferme à faire, à mon avis, mon direct va durer 3 heures aujourd'hui. Je m'attendais à 2, mais ça va, je peux me le permettre. Il faut juste que j'arrête tout à 13h30 au plus tard. Tant que je me mange un morceau, je me fasse un brin de toilette et que je m'apprête à retrouver la famille. Bonjour Christella. Oui, joyeux Noël, merci. Merde, j'ai... Ah, j'ai pas de réflexe. Ça va là, fallait attendre. Ouh, ouais, c'est sport la pêche. Ouais, trop bien. Oh l'autre, dans la tronche, pas de bonus de perfection. Yeah. Eh ben dis donc. Oh là là là, il y en a du monde. Parce qu'en plus du village, la population du village, il y a le, il y a les touristes. Donc ça fait des persos, là je suis perdu. Alors Robin, dit Démétrius, Robin a vraiment beaucoup de travail en tant que charpentière, elle mérite un peu de temps de... un peu de reconnaissance de temps en temps. Oui, oui, merci pour la cuisine ma grande. Travailler le bois est une tradition ancienne dont je suis très fier de faire partie. Ah bah oui. Oui, non mais t'as raison. Alors Léa dit, j'ai beaucoup d'admiration pour tes compétences de Robin dans menuiserie, j'utilise souvent les mêmes techniques dans mon travail. Ah, oh le forgeron Clint, je me plains parfois de mon travail mais j'en suis très fier. Ce sont quelques-unes de mes plus belles pièces, j'espère qu'elles te plaisent. Ouais, les lingots forgés et les armes. Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est l'ancien Marlon, là, c'est le, l'aventurier. Clint augmente son taux de progression d'épée chaque année. Ah, ah. Ça guerroie à mort. Oula. Ah, le sorcier, qu'est-ce qu'il fait, là? Au niveau... Évidemment, il s'installe au niveau du cimetière. Ils sont pas glauques du tout. Alors, le sorcier dit, Wellwick et moi, nous connaissons depuis longtemps. Elle est une diseuse de bonne aventure, remarquable et une très bonne amie. Ah. Oula, il y a des bestioles derrière, là, c'est... Ouh. Ah oui, ma boule de cristal fait défiler des visions de mon avenir. Prévenir mon avenir en 100 pièces. Ah ouais. Pour 100 pièces, ça vaut le coup. Ah oui, on voit... On se voit à la plage. Il y a un événement d'organisé. Va voir Démétrius et dit quelque chose de drôle. Une belle amitié sans boulier. Ah ouais. Maintenant, je te vois avec Abigail dans un pré, tu rayonnes de bonheur. Avec Abigail? Hey, attendez, je sais pas si c'est prévu dans le jeu, mais il y a les unions homosexuelles, ce serait beau, c'est intéressant. Non, je serai avec Abigail. C'est troublant comme révélation, c'est rigolo. Alors la vision de ma boule de cristal a changé. Ah, tu te bats, quelque chose de terrible se dirige vers toi dans l'obscurité, mais tu sens plus que de taille à l'affronter. Ah, la boule de cristal s'assombrit, c'est tout ce que je peux dire sur ton avenir.
Garde à l'esprit que l'avenir n'est pas écrit. Tout ce que j'ai pu te dire aujourd'hui peut changer si tu mets ton cœur à Dieu. Ah. Mais par défaut, je serai en union avec Abigail. Eh ben. Oh les mecs. Alors, salut Samantha, tu t'amuses bien? Oui, bah oui. Alors Sébastien, c'est un peu mouvementé aujourd'hui, je veux rester seul un moment ici. On aime bien le calme. Oh! Trop bien, ils ont exhibé des animaux. Tous ces animaux sont adorables et ils adorent se faire masser. Ah bah tu parles, les gosses, ils ont des yeux pour ça. Ah oui, il est émerveillé, Vincent. Il imite la vache. Alors Harvey, est-ce un peu plus loin là-bas? Guy est en train de griller des côtelettes de porc, Burke. Ah d'accord. Oui, c'est un animaliste lui, je pense. Enfin, un défenseur des animaux. Il doit être végétarien. Aïe, une poule a picoré mon petit doigt. Ah oui, oula, oui, ça pince. Oula, dur. Ouais, bah, elle se défend. Hein. Ah oui, c'est un bon cochon. Oh Linus, qu'est-ce que tu fous là? Les animaux ne jugent jamais les humains par leur apparence. La même chose ne peut pas être dite pour nous. Eh ouais. Il est philosophe ce garçon. C'est là où elle fait les poubelles devant tout le monde. Je sais même pas si tu peux le faire. T'en vois? Non, tu peux pas le faire. Alors attends, comme le temps est suspendu, j'en profite un peu. Je peux pas y aller. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut aller à la plage. Je me trompe. Bon, là, tu peux plus rien lire. Eh, hey, la plage. Ah non, ils ont pas mis de barrière, mais c'est pas programmé. D'accord. C'est un mur invisible. Oh, les égouts. C'est vrai que je m'y suis jamais attardé. Oh, s'il y a une descente dans les égouts à faire au moment du jeu, ça va être la folie. C'est là où ça va être la suite de la mine, vous savez. Ça va être comme dans Diablo. Oh putain, s'ils ont programmé ça, je deviens fou. Bon, à qui j'ai pas fait la causette? Ah bah, Emily, tiens. Tu sais, j'aurais fait un très bon clown. Je pense que j'ai raté ma vocation. Je sais pas. Je dis, il a pas l'air très content. Je pense que le maire Lewis a dû réduire son budget en prenant un clown au rabais cette année. Ah oui. Ouais, bah oui. C'est à craindre. Tiens, c'est mignon, j'avais pas vu. Il y a des décos aux fenêtres. Là, je sais pas, on dirait des petits personnages sur le haut de la fenêtre. Sympa au niveau de la baraque. Wow, c'est quoi cette installation? Ah, c'est la réserve du festival, apparemment. Il y a rien à shipper? C'est quoi ça? Non, c'est un morceau de temple. Inspection. Alors attendez, j'ai fait le clown, j'ai fait les cibles. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir bonjour. Merci, monsieur le président. Alors le réveillon de Noël était bon, hein. Elle est très drôle. Elle est très très drôle. Bonjour Dragon Sky. C'est très très drôle. Ah j'adore. Ah ouais génial, la voix de Macron en plus avec une phrase buggée, c'est collector. Elle est très très drôle. Merci. Ah j'ai adoré. Ah, ah n'importe quoi. Ah c'est con. Oh mon dieu la technologie c'est fou. Ah, la belle blonde, là, la poupée Barbie, allez. Alors, as-tu rendu visite à Zeus de Bonne Aventure? Elle a installé sa tombe dans le cimetière. Oui, j'en reviens, ouais. C'est troublant, d'ailleurs, ce qu'elle m'a dit. Alors, Alex, il dit, j'ai joué au jeu Force. Trop longtemps, j'ai l'impression que mes bras sont comme du caoutchouc. Ah, l'autre. Alors, il paraît qu'on va être heureuse dans les prés. Coquine. Je la fais trembler. N'importe quoi. Bon, allez.
Il n'y a rien d'autre de planqué. Attends, qui c'est qui fait... Il me parlait de grillade, il doit y avoir un barbecue dans le coin. Il y a quelqu'un qui doit tenir un barbecue. Ah, oh! J'avais pas vu la banderole. Foire de Stardew Valley. Putain, c'est trop beau. Ah oui, il y a le magasin aussi. Jeton étoile contre des récompenses. Il y a quoi? Ah! J'aurai le droit à des trucs. J'ai le droit au tournesol séché. Ouf! Un fruit étoilé, c'est quoi ça? Fruit mystérieux qui donne la force à celui qui en mange. Le goût est divin. Et l'expérience personnelle puissante mais difficile à décrire. Oh! 250 énergie et... Oh la vache! Il y a de la déco aussi. Il y a un lot de paille à gagner. Ah, ça va peut-être le coup de jouer encore. Chapeau Fedora, classique pour les... Ah. Et pour taille de collection, collectionnez tous 1 sur 8. Oh là là! Mais le fuit est étoilé, la vache, c'est une tuerie le machin, apparemment. Attendez, en haut, c'est pas... Ouais, il y a encore un... Ouais, c'est là le barbecue. Eh oui, mais oui, les... Oh, les retraités, je les ai pas vus. Evelyne, j'aimerais que Gus quoi, inclue un menu végétarien. Quelques brochettes de courgettes peut-être. Ouais, c'est pas con. Salut Georges. Cuisse de dinde fumée. Je suppose que ce festival n'est pas si nul que ça après tout. Salut Guy. Oh la vache. Il a 5 grilles de barbecue d'affilée. Mange autant que tu veux, tout est gratos aujourd'hui. Compliment du maire Lewis. Waouh. Oh Elliot, le choco prince BN là. Tu es déjà à la fin de l'automne. Ah oui, quand il y a le festival là. Ouais, bah ouais. Merci pour les clips. Oui, voilà, mon fou rire, il a... Vous avez pu l'immortaliser, c'était trop bien. Tant retard, vous faites Castella, je retourne dans le Minecraft. Ah, t'as laissé un arc, mais pas les flèches. Ah, je sais pas si je me ferai, moi, un direct Minecraft dans la semaine. J'improvise totalement, hein. Je me fais 100% plaisir sur coup de tête. Je diffuserai, je rappelle, surtout les matins. Mercredi, jeudi et vendredi matin. Comme je le fais là. Je me ferai des jeux au pif, au plaisir, en bonus. Mais il est moins probable que je diffuse les après, mais le soir. Je sais pas, on verra. Oui, donc, ici dit Elliot, le prince Choco BN. Je fais tout mon possible pour que Gus me donne le secret de sa recette pour sauce barbecue, mais il veut rien me dire. Oh, la vilaine. Ah bah tiens, elle est tout sourire, Maru. Ah bah elle se goinfre. Cette sauce barbecue est incroyable. C'est qui, lui? Touriste. Je pourrais pas finir ce sandwich barbecue, j'ai plus faim. Ah ouais, on mange beaucoup à Stardew Valley parce qu'on bosse, donc on a besoin d'énergie. J'ai fait le tour de tout le monde. Alors attends, je suis intrigué par les lots, en fait. Si je réessaye le coup de la cible... Attends, c'était quoi déjà? Au moins que j'ai un objectif. Oh la vache. Ah non, c'est dur. Le tarpis vert clair, je dirais pas non en 500. Ah ouais, ça va être dur. Attends, la force, j'ai pas de récompense si je vais à Donf dans le truc. C'est juste un... Ah, j'ai fait mieux. Gorille, yeah. Le poisson, j'étais pas trop fort. Non, puis le reste, c'est des exposants. Le jeu des cibles était pas mal. Attends, je vais retenter les cibles. Merde. Ça y est, ça commence à s'exciter là. Voilà. Ah. Génial. Alors. Ah. C'est dur. Ah bah 50. 50 tours ont le score. Eh, je crois que j'ai fait mieux finalement. Cool. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, mais monter à 500, ça va être chaud. Parce que le tapis m'intéresse. J'avoue que le tapis, je dirais pas non. Ça me fera de la déco.
Allez, je vais essayer de gagner le tapis à 500 points. La vache. Hello, Stardew Valley de Noël. Oulala, oulala. Ouf. Allez, go. Ouah, c'est dur. Merde, j'ai fait moins bien. J'avais fait 50, là j'ai fait 48. Pas loin. Encore une séance et j'ai mon tapis vert. Alors, grande folle. Merde. Ah. Yeah. Oula. Merde, non, je suis hors écran là, faut arrêter la déconnade. Merde, je suis nimp. Aïe 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 aïe. Ouf. Oh non, là j'ai été brouillon là. Bonjour fun fan. Ah, j'ai été brouillon. T'as pas vu les assiettes bleues et violettes? Ouais, si, mais pour les atteindre... Voilà, c'est bien, j'ai mes 500 étoiles, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Wouah... Oui. Je convoite le tapis vert clair. Merci, monsieur. Ah oui, attends, il y a le jugement du présentoir. J'ai failli me barrer sans. Oh, est-ce que ton présentoir est prêt? Ouais. Je suis prêt, monsieur le maire. J'attends le jugement. Ah. Bah oui, Pierre, il est terrible. Ah, je me défends. Na. Eh, les couleurs sont magnifiques du mien. D'ailleurs, je me demande si c'est pas moi qui ai la palette de couleurs la plus riche. Alors. On peut soudoyer le maire. Ah, c'est extra mon truc. Donc. Eh, pas mal, vous avez remporté la deuxième place avec un score de 84. Votre prix est de 500 jetons étoiles. Ah, c'est bien. N'oubliez pas de débarrasser votre présentoir. Oui, ok. Merde, je vais plus avoir de place. Attendez. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai des... Attendez. Alors la canneberge. Ah oui, non, mais je vais plus avoir de place. Attendez, y a un problème là. Ah, mon lot, mon tapis me pose problème. C'est pas grave, je vais vous laisser les murs. Ou je vais offrir quelque chose à quelqu'un, je sais pas si je peux. Le poisson aussi, à mon avis. Alors, ce dont j'ai pas besoin, le charbon. Le mec, il fait des crasses. Oh, mon dieu. Attends, mais oui, mais ça se cumule, ça. Oh, si j'avais même pas associé les objets entre eux. Voilà, je suis chié, je vous laisse du charbon. Kiki à Dragon Sky. Si tu veux améliorer encore plus le sac à dos, c'est 10 000 pièces d'or, ça fait cher. Ouais, mais faut que je garde de la thune pour la saison suivante. Toi, t'as dit heureusement que tu n'as pas mis la pêche à côté de l'aubergine, car ça aurait fait bizarre.
et t'aurais donné la première place, ouais. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Merci, Torota. La prochaine année, j'essaierai de faire un dessin salace dans le présentoir. Je suis sûr qu'il y a moyen. T'as raison. Oh mon dieu. Oui, alors attends, je vais peut-être pour. Ah bah non, j'ai pas accès à mon inventaire, donc je peux rien donner. Oui, bah c'est pas grave, je vais leur faire un morceau de charbon. Oui, mais j'ai plus de place dans l'inventaire. Merde. Ah, je vais devoir acheter un truc. La paille me servait à rien. Les tournesols séchés sont pas mal. Ouais, en déco, ça me plaît bien. Mais merde, mais j'ai plus de place. On fait comment? Je fais comment? J'ai plus de place dans l'inventaire. Je peux pas donner quelque chose à quelqu'un? Bah merde alors. Ah si, comme ça. Oh, c'est moche. Je vais devoir jeter un truc. Alors le moins... Ah, peut-être la prune que j'avais... La prune sauvage que j'avais ramassée. Ah bah c'est con, il la fout au centre communautaire. La palourde, ouais, tant pis. Oh, la palourde, j'en retrouverai d'autres, des palourdes. Sur la plage, il y en aura des magnifiques durant toute l'année. Allez, je vais m'acheter mon truc séché. Voilà, génial. Attends, il y a eu un bug. Eh oh, il y a eu un bug. J'ai mal vu, le truc qui coûtait 500, pas 100. Pourquoi j'ai encore 422 étoiles? Attends, c'est moi qui ai bugué là ou... Attends, c'est trop bizarre. Là, je crois qu'il y a eu un bug là. Ouais, tant pis pour la mur de luxe. Je vais essayer de gagner un autre truc là, j'ai pas compris. Attendez, là ça vaut le coup. Je vais rejouer aussi une dernière fois. Je vais avoir 500, donc je vais avoir un truc moi. C'est bizarre. Vache, pas facile. Merde! Hop là. Alors, ce qui est un peu bête, et je pense qu'ils auraient pu programmer, c'est d'autres modèles de formation des cibles. Parce que là, c'est trop prévisible. Ça aurait été bien pour le coup qu'il y ait de l'aléatoire. Oui, le short du maire, ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai cette quête et j'ai le panier de fruits à Linus qui est perdu, mais à mon avis, lui, il l'a perdu dans la... J'allais dire dans la jungle, n'importe quoi. Dans la mine, parce qu'il me disait que la mine est dangereuse. Attends, faut que je boive un coup. Bonjour, Cinéane. Oui, bonne fête, merci. Oh là là, j'ai plus de voix. Ah! Burk, oui, j'avais des glaires au fond de la gorge, là. Quelle horreur. Oui, donc, attends, j'ai encore droit à un lot, là. Ouais, j'aurais peut-être des animaux. Puisque le chapeau Fedora... je me vois pas porter un tel chapeau. Je préfère encore avoir de la paille. Et puis, si un jour j'ai des animaux... Oui, je me... Oula. Oui, je crois que j'ai dit... Le chapi, chapeau, chapeau. C'est ça. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Oh, le bordel. Excellent. Ah, j'avais déjà de la paille, tiens, c'est marrant. Ah, faut tout ranger après. J'aimerais un fou. Attends.
Encore une victoire de canard. 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 Ah oui alors. Ok. Ouais, il faudra que je fasse le centre communautaire aussi. Et demain, il faut que je récupère absolument ma pioche. Ça fait deux jours que le forgeron là. Attendez. Eh, sympa dans la cuisine là, le tapis. Oh, c'est bien, ça fait une transition sur le verre. Trop bien. J'adore. C'est quoi ça? C'est une lampe. Ah bah elle est sympa ma déco. Moi j'aime bien. C'est stylé. Ah, Pierre, faut que je lui achète de l'huile, que je fasse mes premiers plats sophistiqués. Ah, dis-moi que demain il fait pluie. Le temps sera nuageux avec du vent. Ah merde. C'est pas suffisant. Bon allez, dodo. C'était une sacrée journée. Une sacrée journée. Hasta du valet. Un épi de maïs. Hop, 55 pièces d'or. C'est beau. Ah. Alors, certains objets ont été placés dans la boîte des objets trouvés du village. Oh non! Ne me dis pas qu'ils ont... Oh, ils sont trop précautionneux. Ils ont gardé le morceau de charbon. J'avais en trop. Ah, c'est trop fort. J'adore. Oh mon dieu. Oh, les aubergines. Je dis oui. Waouh. Alors attends, du coup, il faut que je réfléchisse à deux fois avant de vendre un légume, parce que maintenant que j'ai la cuisine, si ça correspond à une recette, je vais réfléchir à deux fois avant de mettre en vente. Parce que je présume que de mettre en vente les plats sont beaucoup plus rentables que les produits de base, si le jeu est logique. Attends, j'ai pas un truc à base d'aubergine? Alors ça, c'est mon prochain plat. Faut que j'achète de l'huile. Et avec les morilles et champignons communs, je ferai ça. Maquis. Oh la va... ça me donne envie d'en manger en vrai. Arrêtez. Bah voilà, c'est ça que je voulais en petit-déj, moi, ce matin. Salade de radis. Oh, avec de l'huile et du vinaigre. Faut que j'achète. Plateau de racines. Quoi? Friandise de mineur. Oula. Hamburger de survie. Ah, bah oui. Ah ouais, mais les carottes des cavernes, faut avoir du bol d'en trouver. Hein. Omelette panais, ouais, ça c'est quoi? Champignons communs, choux frisés, huit machins, ok. Salade de choux. Ah! Oh, de la mayonnaise! Oh, va faire de la mayo, toi. Je connais pas beaucoup de plats. C'est peut-être parce que je regarde pas assez la télé avec les émissions de cuisine, là. Là, par exemple, bonjour. Ah, c'est elle qui apprend les recettes. Poisson cuit au four. Chaque fois que je fais un plat à la maison, mes deux chats deviennent fous. Enfin, ce plat à la maison, mes deux chats deviennent fous. J'ai besoin d'un sous-chef juste pour les empêcher de sauter sur le comptoir pour attraper un morceau. Assurez-vous simplement que le poisson est frais. Et c'est même mieux si vous l'avez pêché vous-même. Maintenant, regardez comment je place le poisson sur un lit de légumes de printemps. Oh là là. Alors, hop, voilà, le chien c'est fait. Arrosage. Bon, là c'est une journée classique de Stardew Valley. On va d'abord faire passion arrosage à gogo. Alors que je vois si la nouvelle saison, ouais, il faudra vraiment que j'optimise ma surface en solde au truc de rétention et en arrosage automatique. Parce que si je pouvais augmenter ma capacité de production de manière bien réfléchie, ce serait stylé. Ah, puis il y a des choses à assembler aussi. Là, il y a le coup du paratonnerre, je sais pas quoi.
faudra que j'apprenne à faire ça. Mais voyez, c'est sympa de se faire une matinée peinard Stardew Valley le jour de Noël. Je pense que j'ai fait le bon choix de la matinée douceur là. C'est cool. Ouah ! Je sais plus arroser. C'est 100% détente, ça fait du bien. Un peu de douceur et de poésie dans ce monde de brut. Vous dirais-je. Vous dirais-je, vous dirais-je. Là, je me remarque encore de la voix d'Emmanuel Macron là tout à l'heure. Merci pour le clip, Torotin. Je le regardais avec grand plaisir avant de partir tout à l'heure. Rejoindre la famille pour le Noël, mais. La rigolade, c'était trop bien. Nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour. Ah, trop drôle. Mon Dieu. C'est bien, il fait son inspection, Zeus. Il fait sa tournée de contrôle. Mais arrête de renifler la vigne. Mais arrête de faire ton foufou. Oh là 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 là, il est terrible ce chien. Les champignons. Oui. Les communs qui me drop. Mais à force, à la fin du jeu, j'aurai 999 champignons dans l'inventaire commun. Force de les cumuler, je saurais plus quoi en faire. Ah! Je vais chercher ma pioche. Je fonce chez le forgeron et je vais aller acheter ma pioche. Et tiens, je vais vendre directement ma récolte à Pierre, qui me vendra de l'huile et du vinaigre. Ah oui, il y a ceux qui se battent en duel là. Bah. Moi j'ai toujours pas encore amélioré ma maison. Ah oui, ah, ça vaut le coup hein. Punaise. Parce que j'ai commandé une cuisine. Elle m'a fait une salle Elle m'a fait et la cuisine et une pièce supplémentaire en bonus. Et c'est vachement bien du coup. Je vais pouvoir faire un stockage dans ma baraque. Ça m'évitera de m'exposer dehors le soir aux ennemis là, nocturnes. Alors tu dis, j'ai vu une personne qui passe son permis voiture de manière illégale, non homologué par l'auto-école, pas loin de chez moi. Quoi? Le jour de Noël. Une personne qui passe son permis voiture de manière illégale, non homologué par l'auto-école, pas loin de chez moi. Waouh. Dans ma région, il y avait eu une affaire il y a 2-3 ans de ça. Il y avait eu des ventes de permis et les gars étaient pas qualifiés, mais merde, je fous de la poubelle alors qu'il y a du monde. Arrête Burke, c'est dégueu. Ah. C'est écolo, monsieur. Fermez le mercredi, oh merde. Ah. Faut que je passe le jour suivant pour acheter de l'huile et du vinaigre. Ah, il y a encore 3 verres qui se battent en duel. Évidemment, il y avait eu des condamnations à tour de bras, quoi. Le directeur de l'auto-école, l'instructeur véreux, enfin bref. C'est malheureux. C'est malheureux. Merde, qu'est-ce que je fais là? Je suis troublé par ton histoire d'auto-école. Ah, merci, mec. Vous avez reçu pioche de cuivre. Bien. Est-ce que je lui laisse un... Tiens, la faux... Ah bah non, j'ai pas de lingot sur moi. Ah si, j'en ai un, mais ça suffira pas, c'est ça. Attends, améliorer les outils... Ah, la houe de cuivre. Ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut, ouais. Ah, la prochaine fois, je repasserai avec les géodes. Oh, c'est quoi ces oiseaux? Bon, c'est quoi ça? Ah oui, il y a le coup des filles Kenberg.
Insecte juteux recherché, gelée prismatique. Un slag prismatique rare et dangereux dans les grottes locales. Waouh, ah, intéressant. Ouais, peut-être que la gelée prismatique, je vais réussir. Faudrait que je retourne à la mine en espérant qu'il y ait un jour de flotte. Ah, oh, bah je vais lui donner une de mes plus belles aubergines. Tiens, ah bah oui, elle adore les légumes. Mais oui, Evelyne, fais-toi plaisir, tu vas faire un bon plat. Ta 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 ta. Tiens, est-ce que Evelyne et Guy n'essaieraient pas de cuisiner ensemble? Comme ces deux fins cuistots, ces deux-là, ce serait pas mal qu'ils collaborent ensemble à faire des bons plats. Alors, hop. Minerai. Vas-y. J'ai 14 milliards de trucs à ranger. Ah merde, là, j'ai plus la place pour la... Ouais, des géodes. Oh, je vais ranger ailleurs les... Oui, oh là là. Ah, peut-être que j'essaye de faire quelque chose... C'est quoi ça? Jagoïte. Ah d'accord. D'ailleurs, je la mettrais presque en exposition chez moi. Si à manger un meuble et je peux poser la jagoïte, ça fera un énorme décor pas dégueu, je trouve. Oh, qu'est-ce que je fais? Je garde quelques aubergines au lieu de les vendre. Ah bah non, c'est vrai que je les vends à Pierre pour qu'il me cède de l'huile et du vinaigre. Ouais, il va y avoir un échange de bons procédés, comme on dit. Alors attends, je vais essayer de réparer tout ça. C'est vrai que j'avais un morceau de chemin qui avait sauté. Mais il faudrait que j'essaie aussi de faire un meilleur balisage. Vite, j'ai le restant de l'après-midi pour entretenir ma ferme, donc ça vaut le coup. Je dois avoir le grenadier tout au bout qui a dû donner quelque chose. Ah, puis il faut que j'essaye ma nouvelle pioche. Oh là, pourquoi il m'a mise là, lui? Oh là là. L'inventaire devient fou. Là, j'ai gagné des grenades. Le plus explosif des desserts. C'est merveilleux. D'ailleurs, en vrai, j'adore remanger une grenade. C'est bon. Bon, c'est salissant, mais c'est bon. Super pioche. Ah, ça m'avait manqué. Je vais pouvoir retourner à la mine un jour de pluie. Attends, j'ai cru que j'avais un grand sapin. Mais en fait, c'est deux sapins l'un sur l'autre. Enfin, l'un derrière l'autre. C'est l'illusion était parfaite. Hein. J'ai vraiment cru que j'avais un grand sapin. Oh mon dieu, il se passe quelque chose. Ah, petit Seb. Bah, c'est marrant, j'avais vu personne en ligne quand j'avais démarré ce matin. T'as fait un petit direct. Oh non, ma pioche est pas assez puissante. Merci, petit Seb, bout de Noël. Merci, merci. Ibi. Eh oui, joyeuse fête, les copains. Ah, ça je peux. Ah, merde. Je peux toujours pas casser le météore de l'espace. Bon, ça non plus. Oh, faut que j'aille réoptimiser ma pioche. C'est terrible quand même. C'est terrible. Ouais, il faudra des lingots d'argent, je pense, pour le... Alors, attends. Ah, il y a les maisons communautaires que je pourrais faire aussi. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Pourquoi grade ancienne? Ah ouais. Bienvenue. En faire don au musée. Ouais, il faudra que je passe par le musée bientôt. Alors attends. Ah ouais, j'ai 14 milliards de pierres. Là. Graines de carambole. Oula. Les graines. Faut peut-être que je les regroupe, les graines. Ah, les morilles, je vais les mettre dans le frigo. Parce que ça va être mon futur plat.
À mon avis, j'aurais toujours des morilles dans le frigo, moi. Ouais, je fais un petit direct palliage, juste le temps de chercher les coffres de Noël cachés. Oh, c'est mignon. Ah bah, c'est bien. Trop mimi. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue sur le direct de FunFan hier, dans l'épisode commenté. Je me suis dit, mais il faudrait faire une liste, je sais pas si ça existe sur Internet, une liste de tous les jeux vidéo qui ont des événements spéciaux programmés pour Noël. Parce que le jeu qu'il a fait hier, FunFan, il y avait un Père Noël et des sapins de Noël qui apparaissaient par endroits. Et c'était troublant. Et ça, c'est du génie de la programmation des concepteurs de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux, je pense, qui ont un événement spécial. Regardez Minecraft, les coffres deviennent des cadeaux de Noël le jour de Noël. Donc, mais je suis sûr qu'il y a plein de jeux, il y a des événements spéciaux au 25 décembre ou aux environs de cette date. Alors attendez, que je réfléchisse dans l'organisation. Seb dit bah c'était durant la période de Noël mais j'ai attendu pour le faire aujourd'hui. Ah oui. Attendez, les morilles. Putain, j'arrive plus, j'ai trop de coffres, c'est un bazar monstre. Je m'en sors plus. Alors les graines classiques, les morilles, non ici j'ai pas. Ah là j'ai les graines classiques. Mais j'ai pas de morilles. Ok. Oui, je pourrais les mettre là, les graines classiques. Tiens, c'est pas con. Oui, bah là, j'ai des végétaux aussi. Ah, j'en ai une de carotte des cavernes, tiens. Voilà, les morilles. Ah, j'en ai... Je pensais en avoir plus. Sniff. Oh là, j'ai des trucs. J'ai déjà des graines pour les futures saisons. Tant mieux, hein, mais... Vache. Okidoki. Ouais, ça va. Ouais, le bois est pas perdu avec moi. Oui, alors ça, l'herbe, je vais ranger dans le coffre là, du coup. Soyons cohérents. Dans le frigo, je vais ranger le... Voilà, les morilles. Ah, et si c'est bien fait, il y a la jonction avec le frigo pour dire que j'ai le truc, c'est ça? Oui, très bien. C'est en noir et pas en rouge. Très très bien. Comme ça, quand je vais acheter l'huile... Oh, c'est génial. C'est très bien pensé. C'est un coffre connecté, en fait, qui dit pas son nom. C'est très très bien. Oh, génial! Le jeu est excellemment bien pensé. C'est Bao. Ouais, attends, j'ai pas pris une tonne de cailloux? Si. Alors, je devrais pouvoir faire des chemins d'allée. Ah, je peux me faire des murets, dis donc. Clôture de pierre. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Chemin en pierre. Ouf. Non, pavé, je préfère pavé, je trouve que c'est plus joli. Parce qu'en pierre, je sais pas si ça... Ouais, je vais essayer, allez. On va voir. Puis si j'aime pas, une année, je changerai. Là, par exemple, je vais rejoindre ma grotte... Ouais, ça fait un chemin boueux, bof. C'est pas... Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il vient faire là, lui. J'avais du rap dans les éventails, moi. Enfin, épouvantails, pardon. Ah merde, il faut que je relaboure le truc.
Ah non, ou alors faut que je le pioche pour que ça redevienne normal. Voilà. Et là, je peux poser mon truc. Voilà. C'est cohérent. Oui, je peux mettre de la lumière. C'est pas désagréable non plus. Ouais, je dalle à l'intérieur et puis le reste, je vais... Merde! J'ai déjà un ennemi. Oh merde! Oh la vache! La violence avec laquelle... Oh! Violence! Bam! Bam! Wow! Il m'a donné plein de trucs, cet idiot. Oui, je sais pas. Oui, je vais peut-être continuer tout droit. Je vais où, comme ça? Ah! Dans le mur. Ah! Oh là! Ah! Je peux même aller dans l'herbe. D'accord. Ouais, bon, ça a le mérite d'exister. Ah, bien. C'est bien, je vais pouvoir faire un autre minerai durant la nuit. Attends, faut pas que je veille trop tard. En plus, j'ai ma déco d'intérieur à faire aussi. J'ai ma déco d'intérieur à faire. Ah. Ah bah tiens, les chemins, je vais les ranger là, en attendant. Allez, hop. Ça fait partie intégrante du truc. Alors, home sweet home. La téloche, je l'avais regardé ou pas? C'est le truc des poissons, là. Oui, poisson cuit au four, merci. Bulletin météo, demain, il y a... Merde, il fera bon. Je range quoi? Non, là, je range rien. Ma déco. Ouais. Bon, le lit est près de l'entrée. Stratégiquement, c'est intéressant. J'ai le tapis devant la cheminée. Je sais pas ce que je vais faire de cette pièce. Ah, je devrais mettre en position centrale. Ouais. Oui, voilà. Autant la mettre en position centrale, la lampe. Sinon, c'est débile. C'est pas mal. Il y a quelque chose. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Parce que les coffres, on peut les laisser à l'extérieur aussi, ce qui est tout aussi intéressant pour les manœuvres agriculture. On verra. Je m'adapterai en fonction de mes besoins. Oui, vous avez rien mis dans le chat de nouveau. Progression sauvegardée. Alors le jeudi. Oh la vache, oui, je vais rester avec vous jusqu'à midi et demi. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors attendez, récolte. Oula, même lui, je suis obligé de le chasser pour faire ma récolte. Hop. Attends. Mais attendez, mais il y a eu un bug. J'ai retiré, je l'ai remis, j'en ai un nouveau. Mais attends, mais le jeu est buggé. J'ai dupliqué l'épouvantail. Pourquoi pas? Mais c'est buggé. Ça n'aurait pas dû se produire, je crois. J'ai pas rêvé. J'ai dupliqué l'épouvantail. Bah merde. C'est quoi ces bugs? Bon, tant mieux, ça a mon avantage. Parce que c'est vachement frustrant pour un joueur d'avoir des bugs désavantageurs. Des bugs malus. C'est trop bizarre. Oh là 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 là, Stardew Valley. Elle est magicienne en fait, Samantha. Elle sait démultiplier les objets pratiques. Oh, vivement qu'elle fasse ça avec les lingots d'or et les diamants. Richesse. T'as vu, c'est... Je suis troublé là. Je crois qu'on a assisté en direct à un bug. Vous du Dieu. La 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 la. Ou alors c'est une farce des développeurs parce que c'est le jour de Noël. Peut-être. Ça peut être le cas, hein. Ça peut être un... quelque chose de souhaité. Mais c'est bizarre.
Ah oui, ne pas oublier la gamelle du chien. Oula. Alors, il y a les grenades et les champignons. Oui, les communs. Bon, je vais aller voir Pierre aussi dans son échoppe pour lui acheter justement les sauces là. Vinaigre et huile. Doing. Et une grenade, une. Attends. Je réfléchis stratégiquement. Est-ce que je redépose un outil chez le forgeron et je demande à ce qu'il me l'optimise ou pas? Ah, puis le raisin est intéressant. Si seulement je pouvais le transformer en vin. Bonjour Tomouf! J'espère que tu vas bien. Joyeux Noël à toi. Merci à toi d'être laid. Oh, j'y vais avec les géodes chez le forgeron. Avec les géodes chez le forgeron. Dida 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 didudon. C'est quoi ça, cristal de terre? Je sais pas à quoi ça me servait. C'est pas. Non, ah non, c'est pas en automne les choux-fleurs, ils en sont au printemps. Pam 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 pam. Non, par rapport à ce que j'ai, ça me choque pas. Oui, bah là, j'ai plus de minerai. Donc, les lingots d'argent, j'en ai quasiment pas. Alors, je vais garder le cuivre sur moi et je vais céder mon... Je vais céder mon surplus en... En caillou. Donc, les sauces, c'est le... Enfin, il faut que j'aille chez Pierre à l'épicerie. Et il faut que j'aille chez le forgeron. Faut qu'elle arrête d'avoir une pépite dans la main. Ah, bah, il y avait une prune sauvage au-dessus. Il faudrait que j'aille cueillir au retour. Ça va, joyeux à vous, Noël à vous. Oui, c'est bien, on va bien, merci. Oui, joyeux Noël, merci. Ah! Oh! Ah! Abigail est la fille de Pierre et de Caroline. D'accord. Samantha? Coucou Abigail. Je m'incruse dans ta piole. tu m'as fait peur de te fouiller dans ma chambre comme ça.
Soupir, ça fait des heures que je joue à l'aventure du roi de la prairie et je ne peux même pas battre le premier niveau. Oh la vache, la tête qu'elle fait! Oh, elle fait peur! Elle fait flipper! Ce jeu est incroyablement difficile. Oh, Cruella, dans une autre vie, c'était elle. Ouah, wow, comment qu'elle fait peur! Ou alors, c'est moi qui suis nul. Alors, elle, en sorcière Halloween, je suis sûr qu'elle fait grave flipper. Et tu veux essayer ce niveau avec moi? Je pense que tu pourrais peut-être y arriver avec ton aide. Oh, merde. Ok, Samantha Sport Volontaire. Attends, c'est quoi le jeu? C'est dingue! Mais c'est génial le nombre de jeux dans le jeu. Et en plus, symbolique. Oh là! C'est génial pour un épisode de Noël qu'il m'arrive ça. Les voilà. Mais arrête de... Mais elle est folle, cette fille. Ah! Attends. Oh là. Ah si, je peux tirer. Attends. Mais arrête! Ah! Faut qu'elle arrête de faire sa folle, l'autre à côté. Mais pourquoi je peux pas tirer sur le côté? Je comprends pas. Je peux tirer qu'en bas, j'ai l'impression. Attends, faut que je reste en haut, que je les contourne. Oh merde, je vais me faire serrer. Ah! Ah! Mais c'est dur! Attends, je sais pas, je mange des trucs, là, ou... Mais non! Mais, et c'est hyper dur! Ah, attends, il y a une pièce. Oh la vache! Faut bouger, tirer. Ah! Mais c'est horrible ce jeu! Mais il est trop balèze ton jeu, arrête! J'abandonne, je passerai jamais le premier niveau. Si, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Bon, bah merci d'avoir essayé. Ah, écoute, on peut pas toujours être bon à tout. Hein. Non, mais il est trop dur ce jeu! Bon, bref, je. Bah tiens, cadeau, allez, t'as gagné un lot de compensation, ma grande. Oh l'hôte, oh la bonne vivante, quand t'as su que j'avais faim, ça a l'air délicieux. Mais c'est vrai qu'elle est marrante, Abigail, elle me fait bien rire. Mais elle est spéciale. Hein. Alors, Caroline, la maman. Marie déteste vraiment Tortilla, rien que d'y penser, ça risque de le déprimer. Quoi? Attendez, Marie, son mari à elle? Ok, donc Pierre n'aime pas la Tortilla, ok. Oh la vache, faut suivre. Oula! Bah, ici, là, il a une drôle de tronche, là. Oh non, un petit crabe a réussi à entrer chez moi en se glissant dans ma poche de ma chemise. Ah, il t'aurait pincé l'appendice ou... il en pince pour toi? C'est le problème qu'on vit sur la plage. Ah oui, ah oui. Il y en a qui vivent des aventures dans ce village. Ça, et puis le froc du maire, ça va devenir un running gag. Bon, je venais pour des sauces, moi. Voilà, farine de blé, riz, huile, vinaigre. Très bien, magnifique. Oh! Ils vendent même du papier peint. Ouais, je veux bien acheter un papier peint pour le tester. Revêtement de sol. Ouais, blanc, non, c'est blanc, ça va péter au... Ah oui, c'est vrai qu'ils vendent les arbres aussi. Ah ouais, non, mais je vais arrêter de... Pas maintenant. Si j'ai du fric en hiver, peut-être que j'anticiperai le printemps avec un arbre, mais... L'huile, vinaigre, la vache, c'est pas donné. Eh, j'espère que les plats raffinés, ça rapporte. Hein. Allez! Oula, doucement, faut pas que je me ruine non plus. Ouais, allez, je vais me calmer, parce que là, les finances sont dans le rouge. Ah, et le... C'est là où je vais pas avoir cette thune pour le forgeron, vous allez voir. Ça va, on est le 18 dans le mois, donc j'aurai le temps de refaire un jeu de trucs et puis les plats. Je vais miser surtout sur les... Merde, ça c'est l'école musée.
Je vais surtout miser sur les... alors attends, améliorer les outils, mais pas tout de suite, attends. Oui, ah oui, le fer, je l'ai pas. Par contre, la houe, ouais, je pourrais peut-être l'améliorer, la houe. Oh, une poubelle, non, rien ne se jette à cette heure d'où elle est. La houe de cuivre. Encore que... Ouais, on, peut-être plus tard, quand je serai vraiment très très riche, je prendrai une poubelle et je convertirai un peu en thune. La houe de cuivre à 2000, ouais. Mais d'abord, il va me faire les géodes. Il me reste un peu de place. Ouais, alors là, mon gars, tu vas me faire les géodes. Allez, c'est parti. Oh, bien! Trop cool. C'est quoi? Une ardoise. Ah, encore un homme de nain. Oh, mais je vais m'en faire une guirlande des hommes de nain. J'ai que ça. Ah, le précieux charbon. Oh, le coup de bol, 10 minerais de, d'argent. Ou de fer, là. C'est trop, trop bien. Ah, mais j'ai, c'est vraiment Noël, là. Wow. Le jeu est généreux. C'est énorme. De l'argilite. Waouh, trop bien. Ah, il y a des trucs qui s'exposent. Allez, améliorer les outils ou de cuivre. Ouais, c'est bien. J'aurai une houe de meilleure qualité. Et je fais fonctionner le commerce local, c'est bon. Attends, le musée, il va sûrement prendre des trucs à moi. Non, il avait déjà le home. Merde. Une roche constituée fine d'argile et de boue. Type très commun, calcaire qui vaut pas grand chose. Ah non. Extrêmement résistant à l'eau. Ça fait un bon matériau de torture, l'ardoise. Ouais. Bon, bah, visiblement, rien n'intéressera le gars du musée. D'ailleurs, il vit dans son musée, le Gunter, là, le chapeau. Parce que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe s'il y avait une arrière-boutique dans le musée des pièces privées. Enfin, des appartements privés. J'ai pas fait attention. Faudrait que je regarde une prochaine fois. Ah, il y a la prune sauvage à ramasser en haut. Ouais. Je me suis souvenu. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle est vraiment terrible, elle. Cette nuit, j'ai rêvé que ma main gauche se transformait en gigantesque imperméable. Quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Faut que t'arrêtes la drogue, Abigail. Non, mais l'espace, elle est trop bizarre, cette fille. Alors, lingot de cuivre. Oh bien, je pourrais me faire 5 lingots d'argent. Eh bah la prochaine fois j'améliorerai encore la pioche. Na. Chez le forgeron. Au moins j'aurai un truc de qualité. Tiens, l'argile, je vais le ranger dans le coffre vert foncé. Que je sache que c'est vraiment un produit de la terre. Ce qui est logique d'ailleurs. Voilà. Ma pioche, je vais la mettre au bon endroit. Ah! C'est pas le bon endroit. On recommence. Attends, si je mets... Voilà. Voilà. Là, je l'ai bien dans ma barre de thé. Le gourdin, je vais faire pareil. Quand la houe reviendra, c'est pas grave, je la mettrai à côté des champignons. C'est cool. Oui, rapidement, le papier... Oui, je peux manger le champignon comment? Je vais me libérer une case d'inventaire en mettant le papier peint... Là, je trouvais que c'était un peu terne, donc je l'applique comme ça. C'est mignon. C'est mignon. J'espère que j'aurai un meilleur papier peint, mais
Bon, c'est sûr, hein, ça fait très très féminin, mais bon. Je préfère ça à ce que j'avais avant avec les lattes de bois. Ah, faut que je range mes précieuses sauces dans le frigo. Le vinaigre et l'huile. Donc du coup, là, je peux cuisiner un... Hein. Voilà, champignons, fruits. Ouah, trop bien. Allez, hein, j'en fais 4 d'un coup. Yeah, trop fort. Ce sera bien quand on pourra descendre à la mine. Ah oui, tiens, en parlant de champignons. Ah, je les ai déjà récoltés, ouais, c'est bien. Alors, entretien de la ferme. Et il y a à faire. Il y a à faire, il y a du bois à couper. Il doit y avoir de la roche aussi. Oh là là. Je vais juste vendre un plat raffiné, un plat délicat pour voir combien ça rapporte. J'espère qu'un plat rapporte un truc du genre 400, histoire de rentabiliser les produits. 500, ce serait bien. Ah bah non, j'ai plus de houe. Je peux pas déloger les trois verres là. Mais tant pis, celui-là il va tomber dans le lac. Oh la vache. Ah ouais, il y a à faire. Putain, mais j'ai un bois. J'ai littéralement un bois dans mon terrain là. C'est la forêt vierge ce truc, c'est la folie. Ah bah il était prêt à tomber lui. Il a dû se manger la foudre. Je présume qu'il s'est mangé la foudre précédemment. Putain, puis il y a le champignon géant, je sais pas ce que ça va donner ça. Waouh. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Pfff. Tiens, on va tenter la démultiplication des épouvantails. Non, ça marche pas deux fois. Faudra que je revoie le ralenti là, parce que ça m'a intrigué le coup de me retrouver avec un éventail. J'ai pas compris. Hop là. Il sera bien là, l'épouvantail. Ah, il y a le minerai qui a dû être fait. Eh oui. C'est quoi ça? Merde. J'ai de la compagnie. Ah, je voulais faire du charbon. Oh, une bombe. La bombe, je la ferai péter au petit matin, mais du côté du bois. Comme ça, ça m'évitera de donner des coups de marteau. Attendez. Des coups de marteau. Oui, bien sûr. Des coups d'outils, de hache et je sais pas quoi, de pioche. Oh, la vache. Waouh. Je vais poser une bombe, je vais faire mon petit terroriste. Il faut que j'arrête, je suis en train de me faire mal à une jambe. J'ai l'impression que je me suis bloqué le nerf d'une jambe cette nuit. C'est bizarre. Ah, c'est de l'acajou. Oh, je l'ai pas vu cette graine. Il va falloir que je la sème précieusement. Oui, sève aussi, cueillette. Ouais, ça fait partie des produits de la terre. Ouais, aile de chauve-souris. Je vais pas en avoir 50. Ah, j'avais déjà une petite bombe.
petite bombe et la grosse bombe. Ça va être rigolo, je le sens. On va tout faire péter dans le jardin. Ouais. Ah oui, j'avais dit que je vendrais... Attends, je vais en vendre un, pas tout. Comment on fait pour en vendre un? Mais juste un. Non! Un. Heureusement que je fais le truc de sélection. Voilà! Je veux juste tester la vente d'un plat. Le reste, je le garde pour moi. Quoi? Non! Oh, c'est une escroquerie! Vous avez vu? J'ai payé mon huile et mon vinaigre 200. Je vends à perte. Les plats, en fait, faut pas les vendre. Oh, c'est dégueulasse. Les plats, il faut les garder pour soi. Oh la vache, la vente à perte. Ça me paye juste l'huile pour avoir fait le plat. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, alors là... Samantha, je voudrais t'acheter une citrouille. Ma fille et moi, on aimerait sculpter une citrouille pour les prochaines fêtes des esprits. Caro. Ouais, Caro, je peux te fournir une citrouille, ouais. Oh, mes canneberges ont mûri. Tiens, je vais mettre l'arbre spécial là, derrière la maison. Ouais, trop bien. Attendez, je résiste pas à l'idée de faire mon petit corse. Ça parle mal. Je vais aller faire péter le surplus que j'ai derrière de bois, là. Ouais. Tiens, rien que ça, ça pourrait le faire péter, je serais content. Vas-y. Mais non, mais... C'est pas ça. Oh! Schlager! Oh, minable. Oh bah, c'est nul. Ça, j'espère que ça fait des gros dégâts. C'est tout va exploser. Attends, je peux la placer là. Attention! C'est tout? Bah, c'est nul. Bon, remarque, j'ai déblayé un chemin. Oh, un chemin secret. Aux confins de chez moi. Oh, je suis déçu. Alors là, les bombes... Apparemment, la grosse bombe t'aurait même pas fait péter le... Nullissime. Ah, je suis déception. Alors, récolte d'abord, arrosage ensuite, et après, gestion de la ferme, de manière générale. Oui, Zeus, de remplir ta gamelle. Attends. Attends. Ouais, dans le score de Canberge, j'en suis à combien? 63-200. Oh, ça va faire chaud avec la... Ouais. La fin du mois... Non, je veux pas manger de Canberge. 82. Ah! Oh, espoir. Oui, c'est bien, t'as vrillé plein de corbeaux, c'est très bien. Espoir, j'en suis à... 86-100. Ah! Attends, je vais garder mes précieuses récoltes. Il faut que je fasse des trucs par saison. Il faut que j'arrête mes âneries. Et que je fasse un truc correct. Tiens, d'ailleurs, l'argile devrait pas être là. On est à l'automne. Automne, c'est l'orange. Les bombes, c'est pour la mine. Ah, merci, petit Seb. Déjà midi, oh vache. Bon app si vous passez à table. Je vais déposer les lingots de cuivre.
Ah, il va falloir continuer passion arrosage. L'activité qui rend fou. Mes coffres de saison, je les mettrai où? J'ai envie de les mettre en extérieur. Enfin, vous me direz, je vais perdre de la surface. Ah bah non, je suis dans l'herbe. Donc c'est pas cultivable. Donc les coffres en extérieur, je vais les mettre ici. Je vais me faire un coffre déjà automne. Ouais, je sais pas. Ah, comment je gère? Là, on dirait que c'est les produits de la mer. Je vais le mettre en orange. Ouais, orange comme ça. Ça, c'est les produits. Voilà. De l'automne. Ça, c'est les produits. On pourrait presque croire du printemps, mais isolé, ça va être la nature en général. En toute saison. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Parce que. Après, on est perdu dans un bazar plus ou moins organisé. Et. C'est la folie. Bon, allez, passion arrosage, c'est maintenant. Tac. Ah, ça me bouffe, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je crois que je me suis coincé un nerf de la jambe. C'est pénible. Là, ça me donne la sensation d'avoir fait comme une mauvaise chute sur le côté et d'avoir le muscle qui me dit pas merci. C'est pas agréable. Bien, on entend les oiseaux et le vent. J'arrive, Juice. Je vais remplir ta gamelle. Et bon app pour ceux qui passent à table. Bon, heureusement, moi, mon miam est déjà prêt. Donc ça va être facile tout à l'heure. Et agréable. Ta gamelle, après il y a les champignons. Alors, les grenades, je peux attendre parce que je crois que j'ai un des 3 jours pour les cumuler. Si j'ai bien compris, voilà. Mais oui, tiens, gentil toutou. Mais laisse-moi passer, Truduc. Ah, oh, faut que je fasse le tour avec ces âneries, ils me bloquent. Ça y est, il part comme une balle. Tu sais pas pourquoi, il a envie de jouer. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais lui acheter une balle à. À Zeus. Mais il risquerait de démonter mes champs. Bonjour la Jed. Alors poulet, pommes de terre sautées en préparation. Ouais. Ah oui. Ah c'est bien, bon appât à toi. Non, moi je me suis fait, ce que j'aime beaucoup, je me suis fait des croque-monsieur au gouda. C'est simple à faire, c'est goûteux. Enfin moi ça me procure beaucoup de plaisir. Bulletin météo pour le lendemain. Merde, il fera beau. Alors attendez, j'ai plus rien à aller dans les magasins. Eh, hey, c'est pas l'anniversaire de quelqu'un dans le village. Je vais aller voir rapidement au coup de vent. Ah oui, attends, elle voulait une citrouille. Que je me déplace pas pour rien. Elle voulait une citrouille, Caro, la maman de. De la folle là que j'aime bien là, qui est marrante. Miguel. Attends. Oui d'ailleurs la logique aurait voulu. Je les ai rangés en intérieur les. Attends, je vais faire du minerai de.
Je les ai rangés en intérieur, mais si. Apparemment, oui. Bah pareil, citrouille, il faudrait que je mette dans le coffre orange. Ah oui. Citrouille. Je sais plus, les autres, je les avais vendus ou pas. Ouais, le raisin, je vais aller le... Bah oui, les aubergines d'automne. Radis, je sais plus. Non, c'est pas d'automne, les radis. Je les ai depuis longtemps. Oula, les murs, énormes. Ah bah, c'est l'automne, les murs. Donc je vais prendre. Ah merde, des graines. Ah bah des morilles, elles sont pas au frigo. Ah, bah c'est bien, j'en ai plus que ça. Non, c'était le coffre là, je crois. Oh, j'avais plein de dalles. Oh, ça aussi, il faut que je range dans l'autre coffre. Oui, l'herbe aussi. Oh là 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 là. Il faut que je range plein de trucs. Alors dans le frigo, je vais mettre les morilles. Voilà. Ça, je pourrais me faire plein de plats. Attendez. Alors, les aubergines, c'est d'automne. Le raisin, c'est d'automne. Les murs sont aussi d'automne. Voilà. Je vais garder les deux en or et je vais offrir la citrouille en argent pour Caro. Mais c'est excellemment bien écrit, bien pensé. Hein. Ça fait vraiment patelin. Y a rien à redire. C'est super agréable, Stardew Valley. Je comprends pourquoi le jeu a autant de succès. Parce qu'il a une âme, en fait. Il est tellement bien bichonné comme un... Comme un joyau, un véritable diadème, là. Un vrai bijou, ce jeu. Et je comprends le succès. C'est indéniable. Virtuellement, t'arrives à te faire une intrigue digne des feux de l'amour. Alors, sculpter des citrouilles, c'était Caro, on est d'accord. Hein. Ouais. Alors, attends. Elle adore faire ça avec sa fille Gwendo. Gwendoline, non, Abigail, pardon. Je viens vendre des prénoms. Attends, excuse-moi, je vais dans tes appartements, mec. Caro, t'es où? Oh la vache, grand salon. Oh, mais c'est une église. Hôtel de Yoba. Yoba, Yoba. Il vénère le dieu Yoba. Merde, elle est pas dans... Oh, ouais, sympa la cuisine. Oh la vache. Oh, tiens, une porte. Ah, c'est les appartements privés de Caro. Mais attends, j'ai pu rentrer dans la chambre d'Abigail. Ah oui, on a fait du jeu vidéo. C'est... Ah, ça dépend des degrés d'amitié, c'est bizarre. Parfois c'est incorporé, c'est pas le cas. De Pierre ou Caroline dans leur chambre. Ah. Tiens, tiens. Alors merde, j'ai pas trouvé Caro. Ah, s'il faut que je lui cours après, ça va pas m'arranger. Tiens, y a Pam. Salut toi. Chaque jour se ressemble. Oula, elle est dépressive, elle. Alex dit, je vais faire une série de 200 abdos ce soir. Je suis motivé, n'est-ce pas? Un futur à tête, lui. Attends. Ah, il y a Léa. Est-ce que tu as une cuisine chez toi? Ouais, maintenant j'en ai une, ma grande. Si tu as une cuisine, tu peux préparer toutes sortes de plats délicieux. Bah, tu m'étonnes. Mais je sais pas, un jour je t'inviterai. Tu me donneras des recettes d'Aquazen. On fera la popote. Ah, j'ai vu la blonde Barbie passer. Sauf que c'est pas... Oh la vache, il faut défricher derrière chez vous, messieurs, dames. Ouah. Putain, il y en avait... Oh là là. Comment ça va, toi? Oh, Burk, on mange encore des betteraves ce soir. Il est rigolo, lui. Oh, salut, toi. Tu peux me trouver au salon presque tous les soirs. Oh, je t'ai rien offert depuis longtemps, toi. Tiens, je t'offre un plat. Merci. Ouais, j'espère bien que mes plats sont appréciés, et oh. C'est de la cuisine de qualité, s'il vous plaît. Peut-être pour en déplaire un certain capitoun sur un navire, mais ça, c'est dans une autre vie.
Je ne fais que des plats raffinés. Il y a des trucs sur la... Ça fait longtemps que je suis pas allé sur la plage. Petit coquillage. Ah, faudrait que je refasse la... La pêche. J'ai pas fait de pêche. Wow! Trop bien. Oh la vache! Ouah, le corail! Ah ouais, non mais c'est spécial Noël là. Je sais que je suis pas allé sur la plage depuis un petit bout de temps, mais la récolte elle est monumentale. Pouah. Ah, j'ai même un oursin. Énorme. C'est énorme. Toc toc. On n'a pas été verrouillé. C'est la... Ouais, c'est la cabane à Chocobéenne là. Merde, il fait déjà nuit. Bah non, j'ai pas vu Caro. Oh là là, j'ai perdu mon temps dans le village et j'ai pas vu Caro. Ah, Penny. L'automne est une période triste de l'année pour moi. Oui, bon, elle aussi est dépressive. Oh, il y a combien de dépressifs dans le village? Mais elle est rentrée chez elle, Caro, non? Attendez, je peux entrer dans le magasin même si c'est... Pardon. Je pense que Pierre est plus à son comptoir. Oui, il a arrêté de vendre. Oh, oh, t'es où, Caro? Ah, te v'là. Bouge pas. Attends. Voilà. Oh, une citrouille, elle est vraiment très belle. Abigail sera tellement heureuse quand elle verra ça. Merci, Samantha. Non, mais je t'en prie. Par ça, ça va. C'est une belle journée. C'est merveilleux. Écoute, tu veux un plat? Allez, c'est offert par la maison. Mais oui, fais-toi plaisir. Oh là là. Allez, où? Oh, attends. On peut être poli et fermer la porte? Non. J'arrive pas à fermer la porte. Tant pis, c'est pas grave. C'est accessoire. Merde, oh, je vais rentrer tard chez moi. Ah, bon, bah, on va dire entre guillemets, j'aurais fait dans le social, là. Ça parle mal. Non, mais au moins, J'ai récolté de merveilleux produits de la mer. Oh, wow, les coraux. Non, mais c'est abusé. J'ai abusé, les coraux. Coquillage et crustacés. Sur la mer... sur la plage abandonnée. Ah! Je voulais pas tout de suite accéder au coffre, mais pourquoi pas. Je voulais refaire du charbon. Ah! Un agresseur. Vilain, va mourir. Va mourir, monsieur potager. Burp. Allez, hop. Pam, 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 pam. Pop, pop, pop. Mais c'est Noël pour lui aussi, à ce que je vois. L'autre, ça va. Heureusement que c'est un bon gardien, ce chien. Ah là 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 là. Qui canaille où? Ah. Et oh, c'est quoi ces petits gratuits ce jour de Noël? C'est offert par la maison. Oula! Ah oui, l'oracle Wellwick, la seule émission qui... Quoi? Les esprits sont très heureux. Wow, c'est merveilleux. Bulletin météo. Ah ouais, le dernier jour demain, nuageux. Oh merde, faudra que j'arrose tous les jours, décidément. Eh oui, c'est pas de bol, petit Seb. Par association d'idées, je me suis souvenu. Ah là là. Ah,
Ah! Ah ouais, je rendrai mon antenne vers 12h40, je pense. Par rapport au rythme du jeu. Hop là. Attends. Ah oui, j'ai oublié un raisin. Je me disais bien que j'ai eu un peu de mauve sur le côté. Champignons, donc j'ai fait la gamelle du chien. J'ai arrosé. 10h. Alors c'est bien, j'ai des morilles dans la récolte du jour. Peut-être aller dans la mine là. Ça ne me déplairait pas. Oui, du coup le coffre là il est neutre en fait. Je le mets en gris. Parce que c'est un mélange de tellement de trucs. Là aussi, dans les prochaines parties, il faudra que je trie. Il y a des trucs. Jonky, c'est de printemps. Bah oui, il faudra que je fasse un coffre printemps aussi. Allez, je vais me rendre à la mine. Ça fait longtemps que je. Ça aurait été dommage que je fasse pas un peu de mine dans cet épisode. Oui, merci Zeus de pas me barrer la route, c'est apprécié. Oh, on va y avoir à bûcheronner prochainement. Oh, prune sauvage qualité or. Énorme. Énorme. Il est où Linus? Oh, une noisette. Oh, mais il y a un chemin. Ah, j'ai cru. Coucou. Ah, il n'est pas là. Il est pas dans sa tente. Pam 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 pam. Ah oui, alors attends, tu me poses une question. Attends, je te répondrai dès que ce sera la transition entre deux jours. Oh merde, il y a déjà du monde. Oh la vache, l'agression. L'agression de Noël. Ouah.
C'est quoi ça? Ah oui, c'est un caillou qui se... Attends, il n'y a plus d'ennemis. Au moins, si je suis certain qu'il n'y a plus d'ennemis, voilà, je garde la pioche en main et je bosse. Ah, c'est beau, on dirait le thème de la mer. Au niveau des murs, là, les spirales. Yeah. Là, je vais avoir encore 14 000 rochers. Est-ce que je vais atteindre le 50e sous-sol? Je sais pas. On va voir. Est-ce que j'atteindrai le 50e sous-sol? C'est bizarre, on pourrait croire qu'on pourrait interagir avec le mur. Trop étrange. Bon allez, je me barre. Oh, c'est un truc spécial, c'est une larme de je sais pas quoi ça. Oui, une larme gelée. Ah. Merde. Ah, je le gère mal, lui. Ouais, non, je peux carburer aux champignons communs. Bon, là, je vais en manger deux de suite parce que mon énergie est très faible. Oh, joli. Ah, attends, il y a du minerai intéressant. Je vais pas descendre de suite. Là, il y a quoi, là? À part le moustique. Allez, trop bien la musique. Ah! Chauve-souris de la muerte. Ah bah tiens, il y a là aussi. On entend le vent. Voilà, je prends le minerai précieux et je me barre. Oh. Merde, j'ai mal ramassé le truc. Oh, bien. Il y a du... Oh, très bien. Le minerai me plaît beaucoup ici. Il faut que je retienne. Niveau 45-50, c'est pas mal. Enfin, ça va peut-être s'améliorer en fonction qu'on descend et que c'est plus dangereux, mais... Oula, c'est quoi cette config de grotte de mort? Ah, rétention de qualité. C'est apprécié. Oh, c'est de l'améthyste, ça, non? Si je ne m'abuse. Ah oui, améthyste. Trop bien. Alors attends, je peux circuler partout. Est-ce que... Merde, il est déjà 18h dans le jeu, c'est dangereux. Je sais plus, j'avais une échelle... Ah oui, j'avais une échelle de... Ouais, je veux me barrer. On continue. Attends. Oh, magnifique! C'est cadeau. C'est Noël. Encore un niveau et... C'est bien, c'est bien. Thank you.
là. Il avait un parfum. Ah merde, j'ai plus de place. Je vais exceptionnellement bouffer le super champignon. Ouais. Ah ouais, j'ai trop de trucs bizarroïdes là. Ça sert à rien en fait les cristaux, c'est bizarre. Oula, il y en a de différentes couleurs là. Merde, je suis englué. Danger. Oula, 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 doucement, faut pas que je perde trop de vie non plus. Ah, je suis désenglué. Merde, homme. Oh, magnifique. Oh non, il y a trop de cadeaux là, arrêtez. Je peux pas tout prendre. Faudra que je me débarrasse stratégiquement de... Bah là, vous me donnez trop d'échelles, là, vous êtes fous. Attendez, il faut que je fasse un choix. Un choix stratégique. Ah. Bah tiens, ça vaut le coup d'essayer la bombe. Qu'est-ce que je fais? Bah je vais bouffer les trucs comestibles. La noisette, ça rapporte en miam? Ah, c'est pas mal. Et la prune, vas-y voir. Dommage, elle était qualité or, mais bon, j'en retrouverai d'autres. Ah ouais! Ça me refait une santé, trop bien. Et la bombe, alors? Ça fait péter ça? Faisons péter ça. Aïe! Ah, la portée de la bombe m'a fait bobo. Ouais, c'est surtout pratique dans les petits conglomérats de petits rochers. Ouais, bon, bah, les jeux valides, j'entre. Ah, un cadeau! Les bottes de toundra. Vous avez reçu bottes de toundra. Attends, c'est pour les fringues, ça. Ah, la doublure dufteuse garde vos chevilles au chaud. Plus de défense, plus ça en immunité. Les fringues à la miss, c'est là. C'est dans les... Non, inventaire peut-être, non? Comment je fais? Bon, je verrai à la maison, c'est pas grave. Oui, il faut que je rentre, là. Attends, comment on fait pour... Ah, c'est comme ça! Eh oui, c'est dans l'inventaire... Enfin, je triche à la souris, là. Eh oui, j'ai une optimisation de mes pompes. Trop bien. Elle a une meilleure garde-robe, la miss. C'est beau. C'est horrible, mais le coup de la des bottes, machin, ça me rappelle une horrible affaire de consommation qui a mal tourné en sanitaire. Il y avait eu une importation clandestine de chaussures, bottes qui montent jusqu'aux genoux pour les dames venues de Chine. Elles avaient été conçues de manière... ça respectait pas les normes hygiéniques européennes. Et le problème, il y a eu drama. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes qui ont été victimes de ces chaussures de, on va dire, de contrefaçon, de mauvaise qualité, hein. Et elles avaient été brûlées vives au niveau de la peau, au niveau des jambes. Elles étaient écorchées vives. L'horreur. D'horribles douleurs, évidemment. Horribles douleurs et... merde, il faut que j'aille voir le musée, moi. J'ai trop de trucs bizarres. Et... Et le cauchemar, quoi, parce que c'est un truc que ça se traîne, on se débarrasse pas comme ça d'une gêne, c'est plus que de la démangeaison, là, enfin bref, c'est horrible. Ça m'a refait penser à ça. Ah oui, mais attends, j'ai tous les parchemins. J'ai le 1, le 2 et le 3. J'ai toute l'histoire des nains, dis-nous. Oh, c'est énorme. J'ai toute l'histoire des nains. Hmm.
j'ai encore Géode. Ah, forgeron, peut l'ouvrir pour moi. Ouais, off. Je ferai ça plus tard. Attends, ne me dis pas que le truc est... Ah si, la géode gelée est une, un truc dans la maison communautaire. Ah merde. Alors je vais peut-être essayer ça dimanche, là tout à l'heure, dans la dernière journée de jeu. C'est troublant. C'est troublant. Ok. Allez, où? Ah, il y a des magnifiques pounochals. J'ai aussi des magnifiques mauvaises herbes qui sont en train de pousser et qu'il faut que je déblaye mon champ là. Oh, oh, oh. Vous avez des gages, ça. Ça vaut le coup de les replanter. Ouais, on est encore une semaine de l'hiver. Attends, je profite du sol imperméabilisé pour. Ah, bravo, j'arrose déjà le truc qui est déjà arrosé. Enfin, bon, bref. Eh, ça va être sport hein, la semaine d'hiver. Je sais pas comment je vais la gérer. Normalement, je pourrais rien cultiver. Je crois que je vais faire que de la pêche et de la mine en hiver. Et de l'optimisation au niveau de la ferme, voilà, au niveau matos, au niveau. Ah, l'hiver, ça va être vraiment bizarre dans Stardew Valley. Je sais vraiment pas comment je vais le gérer précisément. J'ai que des grandes lignes et il va sûrement y avoir une part d'improvisation. Ah, il y a du raisin encore à récolter. Mais je crois que je peux pas encore faire les... Comment ça s'appelle? Les alambics. Pour faire fermenter le fruit en alcool. Parce qu'à partir du moment que je peux faire du vin, là aussi, j'espère que ça va me rapporter de la thunasse. Je sais déjà que c'est un cadeau à faire au sorcier. Il apprécie le vin. La Jet dit, il était bien bon ce poulet et ce poulet sauté. Ah bah bonne digestion à toi. Ouais, c'est bien, t'as raison, faut se faire plaisir dans l'assiette à Noël. C'est au moins le minimum si on n'a pas les moyens de se faire des cadeaux ou voir du monde. Le strict minimum, malheureusement pour les personnes qui sont seules, faut pas les oublier. C'est réussir à se faire plaisir dans l'assiette. Ah là là. Zeus. J'ai rempli ta gamelle. Putain. Ah. Attends, je vais essayer de faire la récolte. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais faire le il musée et la... Enfin, je sais pas s'il est ouvert le dimanche, le musée. Et là... Merde, il me dit que mon inventaire est plein, je peux pas reprendre le... l'épouvantail. Ah, pourvu que je le perde pas. Merdoum. Attends, je vais ranger d'urgence mon raisin. Tiens, d'ailleurs, dans la fonderie... Hop. Voilà, merci. Que je remette le... Voilà. L'épouvantail au bon endroit. Oui. Plusieurs choses à ranger. Plusieurs choses à ranger. Et tournesol. Comment je gère mon truc, moi? Attends, ça je vais le déposer. Alors, le musée, il faudrait que...
Le coup de la géode gelée, j'aimerais la déposer tout de suite dans la maison communautaire. Il n'y a pas des trucs que je pourrais... Ah, aubergine, apparemment, c'est demandé. Juste une aubergine. Ouais. Prune sauvage aussi, qui est demandé. Ouais, bah, je vais en prendre une basique. Ah oui, il y avait une histoire de paille, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les Jominos, là. Les maïs de luxe aussi, ils veulent. Bon, on va les voir. On va aller voir. Hop là. Maison communautaire. Alors, maison communautaire, musée. Je vais d'abord aller au musée parce que je me méfie des heures. Ah bah tiens. Merde, inventaire plein. Je vais d'abord aller au musée parce que je me méfie des heures excentriques et on est dimanche. Et puis j'ai que ça à faire quoi. J'ai le musée et le truc. Bon, je peux pas enquiquiner le forgeron, il est en train de préparer ma houe alors. Je vais pas l'enquiquiner avec les nouvelles géodes, il est pas dispo. You, monsieur musée. Ah, c'est bien, c'est ouvert. Oui. Ah. Voilà, il y a ça qui... Ah bon? Ah, je peux donner un... D'accord, bon bah j'en donne un. Alors, les trois parchemins des nains. Je vais quand même les distinguer, non? Ouais, l'histoire des nains. Ça va aller là. Ah, il y a un bug. Bah alors. Ouais. Une nouvelle récompense chez Malvius. Sculpture de poulet. Ah, oh, c'est bien. Oh, une nuit sur la colline. Oh, sympa. Putain, j'apprécie. Trop bien. Je vais faire la déco chez moi. Alors, la maison communautaire. On va voir, on va essayer de gâter pour Noël les Juminos aussi. Salut, beau gosse. Eh, le match de Green Ball. De Grid Ball. C'est un sport inventé dans Stardew Valley, là. Ça existe, le Grid Ball? Je vais interroger Westbot. Alors, Westbot. Déjà, joyeux Noël. Westbot. Le sport gridball consiste en quoi? Le gridball est un sport d'équipe qui mélange le football et le basketball. Ah ouais. Prêt à marquer des paniers avec les pieds? Ah, je connaissais pas. Vous connaissiez, vous, le gridball? Jamais entendu parler de ce sport. Mélange football et basket. Faire des paniers avec les pieds. Ok. Ah, j'ai appris un truc. Ok, ok. Moi, j'adorais frapper au poing. J'adorais frapper les ballons de volley. Ça se fait pas. Mais j'adorais ça. La maison communautaire. Je me souviens que je m'étais fait rouspéter par un prof de PS. Il m'avait dit arrête ça tout de suite. Tu vas bousiller des ballons. Oh mon dieu. J'avoue. Frapper au poing les balles de volleyball. Trop plaisant. Bon allez. Aquarium, non, c'est des poissons, j'en ai pas. Ah, alors, la vache. Oh merde! Sirop d'érable, j'ai. Ouais, il y a des trucs, faut que je regarde prochainement. Je pense que je peux les... Oh merde! Les grenades, il est intéressé. Je pourrais lui en offrir une, déjà. Ah, intéressant. Ah, le fourrage, c'était elle. Voilà, elle en voulait 10. Ok, elle veut des pommes et elle veut du blé.
Ah, un jour viendra. Recherche de terrain. Ah, c'était lui pour la recherche de terrain. Ah, d'accord, j'ai alterné le... Pff. Mais le pire, c'est lui qui m'a donné un coquillage, je pourrais lui... Bon, bref. Colorant. Oh, alors, elle, je suis pas prêt... Emily, là, je suis pas prêt d'honorer son... Bah, oh, j'ai du mal. Mais non, c'était chef. Alors, eux, c'est fait. Suivant. Non, ça, c'est la thune. Alors, la thune, c'est vraiment pas le moment. Il faut que j'offre un lingot de chac. Intéressant. Aventurier. Ah merde, les ailes de chauve-souris, je les avais. J'ai pataté pas mal de chauve-souris. Ah. Géode. Ah. D'accord. Paquet de géologue. Eh, ça, c'est pas trop difficile à avoir. Ah, wagonnet réparé. Ah, c'est intéressant. Ah, au prochain épisode, je verrai si je peux essayer de déverrouiller les wagonnets. Wouh, l'artisanat. Bah là aussi, ils veulent des grenades. Bah j'ai bien fait planter un grenadier, moi, dans mon... non, j'ai rien qui pourrait les intéresser, là. Non, animal, j'ai pas d'animaux pour le moment. Récolte d'automne. Ah oui, une auberge. Une aubergine. Citrouille et... Ah, de l'ignam. Ah oui, j'ai pas fait ce choix, c'est vrai. Citrouille, ouais, je pourrais mettre. Une serre. Oh la vache, la récompense, elle est énorme. Oui, bah je l'aurais pas. À mon avis, la récompense, là, je l'aurais en dernier. Ouf, la récolte de qualité. Avec le maïs. Ah ouais, mais ouais, il en faut 5. Oh la vache. Mais alors, je vais peut-être pas engager le maïs parce que finalement, c'est peut-être pas ça que j'aurai en premier en or. Wouah. Pardon. C'est qu'ils sont exigeants, les Geminos. Ah, du bois dur. Ah, j'avais peut-être ce qu'il fallait. Réparation du pont, ouais. Cueillette d'automne. Oh oui, bien joué. Collection terminée. Ouais, c'est beau. Oula, hiver, bah ça viendra. Ah, j'ai droit à une récompense. Des graines d'automne. Oh, merci. Bah ça sera pour l'année prochaine. C'est cool. Ah, du bois dur, et là... Ah, si je réussis mon hiver avec du bois dur, je réussis la réparation du pont. C'est énorme, alors que c'est un Geminos doré qui est en train d'emporter le colis. Le colis précieux. Bon, bah, bien joué. Je rentre au bercail. Je rentre au bercail. Oh, trop bien. Ah, c'est apprécié. Ah, oh, j'ai pas ma ouf, merde, je peux pas récupérer les verres qui se battent en duel. Je n'ai pas ma ouf. Le forgeron me la donnera sûrement le lundi. Du moins, j'espère. Après, il faudra que j'optimise la pioche en qualité argent. Ah oui, ce serait bien d'ailleurs pour la pour l'hiver et la mine. Au moins j'aurais une pioche super puissante. Ça m'évitera sûrement de donner trop de coups et d'être efficace. Être efficace. Oui, bah la géode, je les dépose là. Les graines d'automne. Ah, attends, les graines d'automne, je vais les mettre là pour la... Pour une future saison. Pour une future saison. Hop. Je vais tout de suite... Ah, on peut pas mettre en extérieur le tableau. Ouais, tu m'étonnes.
Dans la chambre, là, ou je sais pas, là. Ouais, sympa, le... Je veux bien. Très bien, nickel, parfait. C'est très beau, ça me plaît beaucoup. Ah, puis il y a la sculpture de poulet. Tiens, il y a Valéla, le poulet. C'est rigolo. Alors, entretien de ferme, je crois savoir le bout de tout. Je crois savoir que j'ai pas fait les champignons, j'ai une morille. Oh, champignons violets. Je sais pas ce qu'ils valent, les champignons violets. Merde, attends, description. Alors, rare trouvé au fond des grottes. Oh la vache, il nourrit bien, lui. Ok, c'est un champignon spécial dopage. Ça me va. Ça me va, ça me va. Oh, je vais me faire mon plat. Oh, j'en ai fait 10. J'ai fumé toutes les morilles. Je suis fou. Ah, mais j'avais déjà le parchemin des nains. Alors, alors, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que le musée, là, déjà, ça se donne en cadeau ou... si... Après, c'est horrible, mais si je le jette dans la poubelle qui rentabilise une valeur, ça vaut cher, peut-être, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, finalement, je vais peut-être bientôt acheter la poubelle en cuivre que me propose le forgeron. Oula, c'est des produits de la mer, ça. C'est pas... Oh là là, c'est pas rangé du tout. Ça, c'est un produit de l'hiver. Ah bah, ça, c'est le fameux bois dur. Tu dois pouvoir les vendre. Merci, petit Seb. Faudra que je regarde à l'occasion. Ça aussi, c'est pas rangé là où il le faut. Oh là 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 là. Putain, j'ai des éléments de décor, j'avais oublié. Vas-y, vois. Ah non, 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 attends, je veux pas dormir. Ah non, au-dessus de la cuisine. Oh mon dieu, ce mauvais goût. Au-dessus de la télé, au-dessus de la télé. C'est rigolo. C'est rigolo. Oui, pardon, il faut que je réponde à ta question, Fanfan. Excuse-moi, je t'ai mis un vent, du coup. Est-ce qu'en 2024, vous referez le jeu dans l'espace? Parce qu'il devrait alterner une semaine sur deux avec le jeu sur un bateau. Ah, Starbound! Oui, on fera un petit peu de Starbound de temps en temps, Fanfan. Ouais, de temps en temps, on fera du Starbound. Ouais, 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 Starbound. Ouais, on leur fera l'occasion. Je pense qu'on va faire le scénario principal d'une seule traite de Raft. Et quand on aura fini, on passera durant le printemps prochain à du Starbound. À mon avis, c'est comme ça que ça va se dessiner. Bon, faut que j'arrête de perdre mon temps bêtement. J'ai du rangement à faire dans les coffres. Donc, bleu marine, c'est les produits de la mer. Voilà, algues et corail. Printemps, été, ouais, il faudrait que je commence à faire des coffres. Surtout, ouais, que je vais découper du bois, alors des coffres, je vais en avoir. Voilà, que je mette déjà des premiers coffres de saison ici. Et à mon avis, ça arrivera tellement vite qu'il faudrait que j'en fasse. Pourquoi je peux pas poser mon coffre? Bah. Ah, oh, mais c'est... Ou alors je vais les mettre comme ça, attends. Je sais pas pourquoi je peux pas poser mon coffre là. Pourtant là, ça semblait possible, mais bon. Tiens, d'ailleurs c'est bête, ça sert à quoi? C'est pavé, c'est... Il va se passer un truc là, c'est pas possible.
j'ai pas pensé à faire des fruits à... en maturation, vite, confiture de myrtille. Oh. Ah oui, oh là 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 là. Mais le lait, moi. Donc ça, c'est l'automne. Après viendra l'hiver. Donc l'hiver, je vais mettre en blanc. Ensuite, il y a le printemps en vert. On va mettre en vert clair. Et on va mettre en rouge l'été. Le torride été. Voilà. Si je fais pas l'idiot, je m'en sortirai bien. Encore que l'été, j'aurais presque pu mettre en jaune plutôt qu'en rouge. C'est peut-être mieux de le mettre en jaune. Le soleil qui... Ouais, c'est peut-être mieux. Oh merde, je me dis, mais qu'est-ce que j'entends? J'entendais comme des pas, mais en fait, c'est une chauve-souris qui vole vers moi. La vidéine. La vidéine bitu, je l'ai abattu. Ouais, après minerai. Bon, bah je vais arrêter ma partie de Stardew maintenant, c'est bien. J'aurais bien géré. Hop, on va faire de l'argent. Enfin du fer, je sais plus si c'est de l'argent ou du fer. Les cailloux, je vais les ranger dans le surplus. Ah merde, ah bah c'est bien, oui, non, il avait compris mon... Ah oui, j'avais du bois dur quelque part. J'avais du bois dur là. D'ailleurs là j'ai un produit de la mer que je peux... Oui, j'ai plusieurs produits de la mer, oh mon dieu. Ah, puis j'ai des... Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ah. Ouais. Attendez, le coffre de la mer. Le coffre de la mer. Que je termine sur un bon tri. Au moins, ce sera plus à faire. Je pense que oui, il y a moyen de vendre les algues, les machins. Il y a... Quoique les algues, je crois que ça se cuisine en sushi. On peut faire des makis, ce qui est pas idiot. Voilà. Bah là, algues blanches. Il y a tellement de trucs. Oula, tu t'acharnes sur Wisebot. Ok. Parce que là, je voyais mon chat qui était noyé d'infos. Oui, t'en profites avant que je ferme l'antenne. T'as raison. C'est stratégique. T'es malin. Ah là là. Oui, demain, je diffuse pas. Demain, je prends la journée pour moi. Je profite de la famille de Noël. Demain, je suis baba cool et il n'est pas impossible d'ailleurs que j'allume pas mon ordi du tout. C'est pas à exclure. Merdoum, je suis un crétin, c'est un produit de la mer ça. Voilà, c'est bien, t'es allé jusqu'au bout. Aïe, il se met en grève, Wisebot. Bon, bah c'était cool. Ouais. Ah non, attends, faut que je regarde la télé. Faut pas... J'ai peut-être une recette à apprendre. Eh oui. Alors, la météo pour le lundi suivant... Bon, faudra arroser. Et la reine des sauces. Alors, c'est quoi la recette du jour? Patate douce au sucre glace. Oh bah dis donc. C'est la saison des ignames. Et quel meilleur moyen de profiter de ces délicieux tubercules que de les enduire d'un glaçage doux et collant. Vous aurez besoin d'une belle patate douce, bien mûre et tout d'un tas de sucre. Voilà la recette. Alors j'en ai pas cultivé cette année des ignames, mais ça viendra plus tard. C'était Stardew Valley. Si tu le souhaites, vu qu'il est bientôt 13h, tu pourrais me faire un raid. Ah bah si tu prends ton antenne, oui, je veux bien te céder mon public. Ah ouais, je veux bien te faire ça en cadeau de Noël. Ok, ok. Alors attends, c'est sauvegardé. Ouais, ça m'a laissé le temps de faire peinard mon... Oui, prépare, fun. Ça va me permettre de faire proprement les remerciements. Ah.
Oh mon dieu, dans le costume de Noël. Puis merci pour les clips, je sais que vous avez été plusieurs à en faire ce week-end, c'est bien. Je vais m'amuser à les regarder là, tout en déjeunant. Tac, oui, je peux lancer la suite de mon analyse antivirale avant de fermer mon ordi tout à l'heure. Alors attendez, les remerciements. Alors. Ma coulisse de chaîne. Alors aujourd'hui, oui, c'était tranquille aujourd'hui. Mais merci. Oui, hier, il y avait donc Bipoland qui m'avait fait relais de chaîne, Devil Olive aussi. Merci Poupon aussi hier pour le relais de chaîne. Poupon a renouvelé son abonnement tout à l'heure. Merci tout plein. Et petit Seb, merci pour le relais de chaîne tout à l'heure. Oui, t'avais fait du palia avec les cadeaux de Noël cachés, là, déballés. C'est mignon. Ouais, c'est bien, merci. C'est cool. Alors moi, d'ailleurs, je vais peut-être vous mettre ma tronche en plein écran, parce que je crois que vous voyez mon antivirus, là, c'est débile. Que je vous recommande, hein, c'est Malwareware Byte, qui est gratos, enfin, du moins, dans sa version gratos. Je vous le recommande chaudement, il est vachement bien, j'utilise depuis des années, il est bien, franchement. Bref. Je n'ai pas froid, mais c'est pour mettre dans mon ambiance de Noël. Peut-être que je ferai le foufou, que je garderai encore le costume les jours suivants jusqu'à la Saint-Sylvestre. On verra. Peut-être. Ce sera rigolo. Ou je changerai avec des chapeaux. Ou je ferai des variantes. Je garderai le costume de Noël, mais je mettrai des chapeaux débiles au-dessus. Ce sera à faire, tiens. Faudrait que je fasse une combinaison par jour. Ce sera rigolo. Juste pour le délire. Pour le délire. Que dire, que faire pendant que FunFan prépare son direct. Donc merci à vous toutes et toutes d'avoir été là, je vous souhaite évidemment un joyeux Noël, profitez. Voilà, je vais faire beaucoup de oui vraiment, là du coup je sèche, je vais regarder le chat au moins que j'ai l'info, ouais dans quelques minutes. Je vais quand même pas mettre des clips. Ah, attendez, bonjour Erika. Bonjour Erika, joyeux Noël à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Je vais peut-être profiter justement des 5 minutes de flottement. Alors, il faudra peut-être que je me déclare hors jeu. C'est-à-dire que c'est plus Stardew Valley, mais c'est du bavardage. On va faire ça convenablement. Et je vais vous parler de la nuit de la Saint-Sylvestre. Tiens, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas développé dans le détail. Mince, il faut que je le refasse deux fois. Ça, c'est le bug d'OBS. Enfin, de ma version à moi. Attendez voir que je vous mette le... Dans quoi j'ai ça? Je dois l'avoir dans, évidemment dans ma coulisse, mais dans quel sous-répertoire? J'ai fait une rapide fiche de ce qui va se passer la nuit de la Saint-Sylvestre. Je vais vous présenter ça en exclu. Tac, c'est où? Ah oui, j'aurais des trucs à vous dire au 1er janvier. Bah, c'est pas grave, je vais lancer carrément le logiciel, au moins ce sera... Je crois que j'avais fait une capture d'écran, mais c'est pas grave. C'est pas plus mal d'avoir le truc en dynamique. Au moins, je vais pouvoir le manipuler. Attendez, on revient en plein écran sur mon tableur. Voilà, regardez, c'est le programme de la Saint-Sylvestre. En fait, la nuit du 31 au décembre, au 1er janvier, je vais pas éteindre mon ordi. Et merci pour le Merry Christmas. Et... Alors le tableau mystère, on le retrouvera au 1er janvier. Canaille de Fun Fan, continue de préparer ta chaîne. Hop. Voilà, le carillon des trésors. Donc, je vous diffuserai en presque quasiment inédit. Vous avez connu le début de la promenade avec ma frangine que j'avais fait cet été à Jean Delincourt. Mais je vous la rediffuserai en intégralité. Et voilà, j'ai des petites annonces, je prépare des petites surprises. D'ailleurs, il faut que je me grouille, parce que j'ai pas fini de tourner certaines scénettes où il faut que je vous présente. Alors, il n'y aura pas de chat, en fait. Le chat sera en émoticône seulement. Mais vous pourrez interagir avec les émoticônes dans le sens que il y aura une émoticône spéciale. Je crois que ce sera le logo, le drapeau de la Lorraine, ma région. Vous aurez le détail dans le chat des promenades. Vous ayez l'info.
Je termine mon explication de la nuit de la Saint-Sylvestre et je te fais le raid, Felfan. Donc, il y aura le Jean de Lincourt, Bois de la Fourasse, qui était la campagne Lorraine. Et on finit sur un point d'eau artificiel. Les vignobles du Gris de Toul. Vous savez, le vin célèbre du Gris de Toul. Eh ben, je suis allé dans ces vignobles. J'ai filmé des choses intéressantes. La troisième promenade, magnifique la troisième. Pierre Latrèche. Il y a tout, il y a des grottes, il y a un bois, j'ai vu des belles choses, c'est là où d'ailleurs j'ai vu des cervidés que j'ai filmé, vous verrez. Et je reviendrai dessus après la vidéo d'ailleurs. Il y a la Moselle aussi, j'ai vu des choses insolites, un champignon, j'aurais pu m'en coiffer, le chapeau du champignon était énorme. Et 10 bornes autour de Vittel. Alors cette promenade là autour de Vittel, sportif. Il y a eu un moment avec ma frangine, on a fait de l'escalade improvisée à la Lara Croft. Je déconne pas. Alors c'était pas trop haut, je vous rassure. Il y avait une butée d'un mètre et quelques, mais on a dû faire de l'escalade dans les bois parce que le chemin était super mal entretenu et pas balisé. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Mais des belles choses à voir. Et en fait, toute la nuit va tourner les promenades. Je pense que j'en aurai jusqu'à 8h du matin, peut-être 9h. Sachant qu'à minuit, pour fêter le passage à la nouvelle année, en avant-première, je vous mettrai la dernière compile qui est partie pour faire 1h15, 1h30. Je m'attendais à ce qu'elle fasse qu'une heure. Là, j'ai compté 1h, je crois. Ah non, j'ai compté 75 minutes, ça va. J'ai anticipé le fait que ça déborde en clip. Évidemment, la folie avec, en premier lieu, Petit Seb, que je remercie, pour Starbound et Raft. La fréquence de clips et de délire est telle que j'ai plein de clips. J'en ai presque trop. Et du coup, ça va faire une cinquième compile. Il n'y en a que 4 par an, par saison. C'est énorme. C'est wouh! Bref, voilà, je reviendrai dessus le dimanche 31 décembre et je lancerai cette nuit spéciale à partir de 18h. Je mets une grosse marge d'une demi-heure pour refaire l'intro, répondre à vos questions, être avec vous. Et voilà, voilà. Et moi, ça me permettra d'ailleurs de faire de la maintenance en arrière-plan sur l'ordi. Je vais rentabiliser l'ordi qui tourne toute la nuit. Allez, je vais faire le relais de chaîne, on va aller chez FunFan. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Encore joyeux Noël tout le monde. Ma coulisse, blablabla. Moi, je vous dis sûrement mercredi matin. Mercredi matin, j'improviserai un direct. Je fais rien demain. Demain, vous ne me verrez pas. Si je tourne un truc, ce sera hors antenne. Je ferai sûrement les scénettes dont je viens de parler. Ou je m'amuserai à jouer à Raft en solo dans mon coin peinard. Ce sera mon plaisir de Noël, avant de mieux vous retrouver, évidemment. Ça va être cool. Allez, bisous tout plein. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Ah, il fait du vampire, FunFan. Ah, accro et sang. Accro et à sang. Merci pour tout. Hein. Merci la modération. Merci pour les clips. Merci, merci. Ciao, ciao, bisous. À mercredi. Et merci à vous, chers anonymes, qui me regardez sur YouTube en vidéo à la demande. Voilà, hop, je file chez FunFan. Voilà, j'attendais officiellement le raid. Et moi, je bonjour, gros sage et à sa communauté. Bienvenue, bienvenue. Raid.